Salut à nous toutes et bienvenue sous plateforme Instar Christi, qui c'est une organisation chrétienne qui mettait en phase sous trois bagailles en particulier. Enseigner la vérité dans bon timamite, deuxièmement, c'est pratiquer l'amour fraternel, et troisièmement, former disciples pour avancement royaume Seigneur. Dans mission Instar Christi, pour le capable de faire toute bagaille ça, yo, li mettait en phase sur la formation des leaders, puisque nous croyons à tout que nous. Tout commence par le leadership. Moi, je suis étudiant inconditionnel dans l'université libre ça, qui c'est Insta Christi. N'ayant contexte côté, les bonnes ressources sont rares dans notre communauté haïtienne. Moi, pensez qu'il vaut la peine pour rejoindre Insta Christi chaque samedi de 8h20 à 10h20 pour nous capables de faire ensemble. On nous brancher chaque samedi instacristi.org. Pour une très belle étude biblique, nous sommes à Mackenzieville depuis Santo Domingo. Visitez site nous régulièrement pour connaître qui ça a fait, qui calendrier nous gagne et comment nous sommes capables d'aider le ministère et d'aider à grandir dans le Seigneur. Instar Christi, c'est une organisation qui l'ouvre à tout le monde, tout partout côté où il est. Pour comprendre créole ou comprendre français, ou qu'on rejoigne nous, d'ailleurs, nous présents en ligne. Suivez-nous sur Facebook, sur Zoom, de manière à ce que. Pour capable bénéficier de toute richesse hein, que plateforme ça a gagné et enrichi connaissance en retour. Son plateforme qui aide nous à comprendre la Bible. C'est une aventure qui est passionnante. Bonjour, nos pam c'est Deborah Lesieux, m'a suivi étude Insta Christi. Moi invite au fait même j'avais et au pas progrès. Moi c'est Pasteur Evans. Moi c'est Pasteur Wilson. Nous c'est famille MCC. Nous branchons Insta Christi depuis Montréal, Canada. Et vous-même. Si c'est première fois où branchez Insta Christi, Nabdo, bienvenue. Et si vous habitué déjà, Nabdo, merci de ce que toujours rejoindre nous. Chaque samedi de 8h20 jusqu'à 10h20 sous plateforme que moi signalé au déjà. Mais on capable directement aller sous site Insta Christi. Hein? On capable gain accès avec des ressources que nous produit dans étudio qu'a réutilisé yo pour avancement royaume Seigneur. Pas rater rendez-vous ça et ça permet que ou capable gagner l'église qui aller bien. Instar Christi, Instar Christi. Salut à nous toutes et bienvenue sur plateforme Instar Christi. Bonsoir tout le monde, son plaisir pour nous rentrer la cage aujourd'hui. Non pas c'est Jean-Marie Saint-Paulin. M'appelle c'est ministère Instar Christi qui rentrait la caillou, qui potait étude biblique hebdomadaire ça, étude biblique que nous potait chaque samedi pour vous, côté nous étudier parole bon Dieu de manière systématique. Jodi nous c'est samedi 6 août 2022. Nous voulons saluer toutes amis, quel que soit à côté où y est. Qui branché nous, monde qui sur Facebook, monde qui sur YouTube, monde qui a suivi nous sur quelque soit plateforme qui relaye étude biblique ça, organisation partenaire à Instar Christi Ministry. Nous voulons saluer tous les amis qui sur Zoom avec nous et ou même qui peut-être branché nous pour la première fois. Nous bienvenue dans mitan nous et espérons que on appelle encore samedi prochain pour nous continuer nager dans parole Seigneur. Pendant samedi dernier à jeudi, hein, pendant mois ça, n'a pas continué à étudier avec vous 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9. Sujet, n'a pas continué à garder, c'est deuxième partie, hein, c'est vers une théologie de la contribution financière du chrétien avec même enseignant Lionel Alcius. Qui sont passionnés de la parole et jusqu'à preuve du contraire, bon Dieu permette que l'y enseigner une parole là dans bon timamite. Nous pour aller prier, nous pour retourner pour nous capable passer de la parole, pour nous capable étudier ensemble. Il y a toute une équipe pour servir, nous y a une vocation broadcast studio. Nous saluer l'équipe de vocation broadcast qui a fait un bon travail. J'en ai été dit déjà nos organisations partenaires, merci en pile de ce que nous camper King à la ganache pour nous capable permettre que étude ça arrive béni yon paquet monde tout partout côté qui gagne internet et nous voulons tout saluer cette belle équipe qui toujours permettre que qui faciliter et la tenue de l'étude. Saluer Frem, Julien Antoine, qui a bien chance pour t'entendre
Et puis, nous saluer tous les autres amis qui toujours posent des questions, qui interagissent avec le présentateur. Là. Nous allons prier et puis nous allons retourner pour nous capables de présenter à nous-mêmes la séance d'aujourd'hui. Seigneur, merci en pile pour grâce, merci pour faveur. Merci pour bénédiction dans la vie. Non? Merci, Seigneur, de ce que jusqu'à présent, aucun bénin dans la grâce, aucun bénin dans la faveur, aucun bénin, Seigneur Dieu, dans la bénédiction que nous pas cabaye tête. Non? Nous glorifions pour la Bible, parole au Seigneur. En pile fois, l'un pense une bras lit la Bible. Mais la Bible lit nous. Lit fait nous connaître qui est nouillé davantage. Et le fait nous connaître comment ouvrir nouillé. Merci parce que j'en noté samedi dernier, c'est pas qu'on s'ennuyait aujourd'hui, hein, puisque vous permettez nous exposer à parole ou, non seulement samedi passé, mais pendant toute semaine. Merci pour séance assoya, merci pour provision qu'on vient en faire à travers serviteur. Et nous prions que vous va bénir chaque monde qui vient en branché et monde qui prend une chance pour eux, autant d'études ça. Yon l'autre jour, nous prions Seigneur que vous va édifier nous. Édifier nous à transformation, édifier nous à conviction, édifier nous à salut. Travaille au-delà de attente nous, pendant que nous demandons pour bénir toute organisation qui run séance étude à soi possible. Travaille. Fait plus que ça nous penser à qu'imaginer. Nous pas adresser prière sans qualité de monde qui gagne mérite, mais c'est dans nos petits touches Jésus qui vivent et qui régner. Non seulement aujourd'hui, mais pour tout temps et pour toute l'éternité. Amen. Voilà, frères et sœurs, comme annoncé, nous allons présenter à nous-mêmes notre enseignant, Yonel Alcius, qui prale dans notre deuxième partie de séance que l'a fait sous de présentation que l'a fait sous 2 Corinthiens 8. Acte 2 Corinthiens 9. Pasteur Yonel, bon Dieu béni, enseignez la parole dans bon timamit. Merci un peu, frère Jean-Marie. C'est un plaisir pour nous retrouver encore une fois chaque monde qui est avec nous à Soya pour nous capables d'étudier la parole, bon Dieu. Nous comptons nous là, nous comptons nous étudier ensemble. Eh bien, en nous entrer dans l'étude là, ça, c'est deuxième séance, nous avons fait sur le même sujet ça, que frère Jean-Marie a déjà annoncé. M'espérer que c'est ce que nous avons fait semaine dernière à Téutilou et que ça n'a fait encore à Soya à Téutilou davantage. Alors, pour nous commencer, alors, nous avons demandé, nous, une bagarre de café, depuis qu'on y a, partager direct ça pour plus de monde capable de toucher, pour l'étude de la carrière jeune plus de monde. Et puis mettez un like, ça peut utile, ça permet que plus monde joigne ni, ça peut un booster avec Chanel ou suivre nous en tout. Si vous pouvez co-abonner avec nous, profitez faire ça en façon pour que une fois nous live ou joindre live là directement. Et on est bien content qu'on fait ça. Alors, ça me va le faire qu'on y a là, on va le partager écran avec nous. Pour nous kawe qui côté nous y est, qui côté nous voulait aller dans la séance d'études à Soya. M'espérer tout le monde déjà prêt ou déjà branché et que nous allons étudier ensemble. OK? On va le partager comme dans un instant pour nous capables étudier ensemble. Alors, cette deuxième séance n'a pas gagné sous sujet ça que Frère Jean-Marie déjà annoncé où vers une théologie de la contribution financière dans l'Église ou de la contribution financière du chrétien. Encore une fois, on connaît un pile challenge dans le domaine ça, un pile idée controversée, un pile monde qui a l'opinion différente sur bagay ça, un pile pratique tout qui mérite questionner sous affaire bah l'argent dans l'Église. Pardonnez faute là, c'est contribution. Mais bon. Ou bien, on peut parler encore du don financier dans l'Église. Alors, ça nous va essayer de faire là, dans un premier temps, on va avant d'entrer dans le texte là, on peut aller dans le prétexte, avant d'entrer dans le texte là, ça nous va essayer de faire, on peut brièvement permettre que, ouais, qui côté nous y est, qu'on y a là,
Et puis, ensuite, nous allons entrer dans un passage qui concerne nous, qui c'est 2 Corinthiens 8 et 9. Bien entendu, vous parlez ça avec moi, nous allons regarder une section dans 2 Corinthiens 8 et 9. Nous allons regarder toutes. Et puis, ensuite, nous allons entrer dans le texte là-même pour nous considérer la première section, nous dire, qui c'est 15 premiers versets. Le contenu 8, verset 1 à 15. Je pense que l'étude à soya a pu utile ou en pile à plusieurs égards, quel que soit le niveau, il y a un ministère, quel que soit son monde qui est moniteur ou bien ou son pasteur, ou ancien, ou diacre, à quel que soit le niveau courrier ou bien simple membre de l'Église, ça a pu utile ou en pile pour comment la Bible aborder question dons financiers, contributions financières. Là, j'en ai baillé l'Église. Est-ce qu'il y a un principe pour ça et comment nous avons fait ça? Puis bien. Voilà. Et puis, finalement, en troisième lieu, nous permettre que vous interagissez avec nous par rapport à séance à soir. On va commencer tout de suite. En termes de. On va entrer dans le texte là. Ça me donne aimé garder avec nous. C'est contexte global côté nous là. En termes de voyage, Paul, ou après que Paul t'ait fait une première visite pour te fonder l'église, ça, c'est au cours de son deuxième voyage missionnaire. Nous venons récit ça dans Acte 18. Paul fondait l'église de Corinthe. Deuxième visite, Paul, pour le faire, nous voyons ça dans un Corinthien, par exemple, qui parlait de ça, c'est que l'été à Éphèse, il voulait aller à Jérusalem pour le porter don la. Pour ton don pour l'église Jérusalem qui t'est frappé, en grand goût t'est frappé l'église là, Paul va porter don pour eux. Et Paul t'est organisé en sorte de, comment t'as réglé ça là, c'est où il y a plusieurs églises qui a mis tes mains ensemble pour y arriver faire don ça, pour ramasser comme ça, pour porter l'église Jérusalem. Donc depuis dans 1 Corinthiens, nous voyons ça, et Paul t'est fait plan, li, à Éphèse, il va passer Philippe et puis pour aboutir à Corinthe, la fonti temps avec yo prend cob là que l'église Corinthe déjà ramassé et puis pour le porter Jérusalem. Il était déjà dit d'ailleurs pas tant c'est l'homme venu pour ramasser cob là. C'est un bel passage dans 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens 16 qui montre moi mes passages en particulier parce que il montre le mécanisme de question ramasser l'argent. OK, l'on ramasser l'argent dans l'église, comment ça fait? Donc son bel passage, il y a au moins 5 éléments là-dedans qui montrent ces caractéristiques de comment l'argent ramassé dans l'église. Mais nous pouvons arriver là qu'on y a. Et donc Paul recevoir information de la part de Timothée que il y a des monde dans l'église là. Il était fait plan pour l'aller, oui, pas vrai, mais il recevait information que des gens de l'église là qui opposaient avec lui farouchement, qui vraiment a déconstruit ça l'a fait. Et Paul fait une deuxième visite que Aurélie, une visite douloureuse. Et c'est pratiquement raison que fait, me songe question, pasteur Lafleur t'est posé nous dernièrement. C'est 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens 2, verset 1, c'est raison ça qui fait que en pile savant biblique utilise le langage que l'Église a tabat Paul, l'Église a manqué bat Paul. Paul dit, m'a voulu tourner côté nous encore dans la douleur. En visite douloureuse. C'était deuxième plan que Paul t'a gagné. Mais comme ça passait mal, Paul tourne à Éphèse. Mais pendant Paul tourne à Éphèse, Paul continue à écrire l'église. Là, il voit l'autre lettre bio. Et le monde qui t'a porté lettre ça, c'est Tite qui expliquait autour la teneur de la lettre. Maintenant, Paul a tant de Tite tourne. Et le Tite tourne, Paul Tite porté nous. Tite poté de bonnes nouvelles pour apôtre Paul, que l'Église l'a repenti et que il y a un changement qui a fait. Il y a, par exemple, passage 2 Corinthiens 2, verset 2 Corinthiens 2, qui parlait de Mounsa qui a repenti. Il y a deux points de vue sur lui. Il y a un monde qui croit que c'est plutôt. Moun qui te couche à madame papa dans 1 Corinthiens qui vient repentir là et que Paul a demandé OK lever sanction partager point de vue ça mais gain l'autre scholar tout l'autre savant biblique qui pensait que là Paul a mentionné parmi petit groupe par opposant farouche que le te gagné yo gagné yo mon en particulier
qui était mené groupe là qui était vraiment opposé à Paul et donc peut-être que c'est ça même pas fin supporter l'idée ça donc ça Paul fait Paul écrit on l'est encore que nous pas gagné oui que en fait que d'arrêter les deux Corinthiens après nouvelle ça que le recevoir et puis le fait plein il dit que la vienne visiter une troisième fois. Ça, c'est relation, plan de visite, Paul te gagne pour l'église Corinthe. Mais lorsqu'il y a des livres là, en réalité, qui gagne 13 chapitres, 7 premiers chapitres, Paul focus sur le ministère. C'était une mécompréhension, il était accusé de plusieurs bagailles. Donc, Paul expliquait le ministère dans 7 premiers chapitres. Et c'est ça qu'on a fait depuis 7 premiers chapitres nous couvrions, n'a pas apprendre comment nous apprendre de ministère Paul pour nous améliorer ministère Paul. Nous espérer ou à regarder vidéo nous déjà fait sur ça. Chapitre 8 et 9, c'est côté Paul encourager la générosité dans l'église. Donc c'est côté nouyer kounia là, c'est dans section ça nouyer. Et puis finalement, Paul pourrait exhorter les faux docteurs, c'est-à-dire les détracteurs de l'évangile, ce monde ça va t'attaquer là. Donc c'est pratiquement une bonne façon pour garder livre de Corinthiens. Cet premier chapitre, Paul explique le ministère. Chapitre 8 et 9, Paul encourage l'église à pour yo, contribuer financièrement, pour bailler l'argent, pour bailler comme. Et puis, finalement, ou pas loin, Paul exhorte groupe Mounio dans chapitre 10 à 13, qui était salué les pseudo-apôtres, les faux apôtres, qui étaient à Patakil, etc. OK? Nous là, nous racontons nous pour. Côté nous là, nous dans deuxième section ça, c'est-à-dire nous finissons cette première chapitre, nous dans deuxième section ça qui a parlé de la générosité dans l'Église, de la libéralité dans l'Église, de la contribution financière dans l'Église. Alors, le Paul a parlé de contribution financière, c'est pas seul passage que le parlait de ça, il y a au moins 4 passages. Mais comme souhaité aborder dans prochaine occasion pour nous regarder principes, c'est-à-dire une théologie de la contribution financière, allons dire une approche paulinienne de la contribution financière, tu as dû considérer au moins 4 passages ça, un Corinthiens 9 qui a justifié pour qui ça nous besoin de contribuer dans l'Église, un Corinthiens 16 qui bail consigne sous mécanisme pour nous faire, comment nous devons faire, deux premiers versets surtout. Et puis, côté nous, il y a de Corinthiens 8 qui parlait de en illustration, parce que là, on a gagné l'église de Corinthe qui doit participer dans la levée de fonds, dans ramasser l'argent pour supporter l'autre église. Et finalement, de Corinthiens 9, c'est côté où gagne application. Donc, c'est là nous y est. Mais globalement, soit étudier une approche paulinienne de la contribution financière, il est bon pour garder 4 passages. Ça. Du coup, ça interpelle tout, vous me dites, mais il y a des pratiques que vous avez fait dans l'Église, est-ce que vous avez pris du temps pour garder les passages bibliques qui traitaient de la question financière pour encourager l'Église? Il y a un saisissement que j'ai fait samedi dernier, mon qui était dans l'étude là samedi dernier, nous songer, nous avons étudié les motivations de la grâce de donner, c'était vers une théologie de la contribution financière, nous avons regardé motivations. Quelques participants, quelques auditeurs, t'ai dit que qu'on y a là non seulement gagne mon yo vienne avec offrande de Salomon, son 1000 dollars ça est lui-même, gon l'autre même qui c'est offrande d'Aaron, offrande bab d'Aaron. Vous comprenez? Nous tellement pas l'hériter dans Bible, nous vienne avec à fait pas nous et donc l'église ou vienne demander qu'on y a là ça qu'a fait. Comment ça a marché? C'est terrible. Samedi dernier dans l'étude là, nous t'ai montré que en bon théologie de la motivation de la grâce de donner, c'est-à-dire pour motiver moun à l'église, gagne 3 approches ça. Li doué théocentrique, il doit philanthropique et il doit chita son base administratif. Donc, monde qui pas te suivre étude ça, me conseille au regarder, me pense que ça peut il nous en pile. Pour aujourd'hui, nous pas rentrer dans texte qui concerne nous hein, qui c'est 2 Corinthiens chapitre 8. Alors, passage là globalement c'est 2 Corinthiens 8 et 9 parce que c'est deux chapitres ça qui traitaient de la contribution financière, mais nous allons focus sur un aspect. Pour ça, me dit un aspect parce que lorsqu'il y a des textes là,
de Corinthiens 8 et 9, deux chapitres ça, et vous permettez moi ouais, trois mouvements là. Trois mouvements. Premier mouvement, c'est que 15 premiers versets, il a traité des principes de la contribution financière, des principes de la grâce de donner. Pour qui ça me dit la grâce de donner, c'est ça, anglais a relé, the grace of giving. Ou bien Paul relé le tout, la grâce de contribuer, de Corinthiens 8, verset 1er. Son grâce, le que nous capables de contribuer financièrement dans l'œuvre du Seigneur. Donc, 15 premiers versets, il y a traité des principes de cette grâce de donner. Principe pour mon ramasser comme pour la collecte dans l'église. Principe pour la collecte dans l'église. Donc, son mon pasteur, ou bien pas pasteur, son fidèle l'église, ou son chrétien, eh bien, nous avons souhaité ou suivre tout ça. Prends note et puis elle parle à pasteur. Ou bien, voyez lien by pasteur, by leader ou yo, parce que la petit yo, pour ouais, qui sa Bible a dit sur comment mon ramasser l'argent dans l'église. Ça va vouloir dire que ou automatiquement juger, critiquer ça ou dit non, mais ça, au moins, ce bayo, piquer curiosité pour regarder qui ça nous discuter à soi et qui ça qui utile pour regarder dans ministère par yo des principes qui a guidé la collecte dans l'église, la collecte de fonds, la collecte pour une contribution financière. Principe, alors le n'a bail me dit contribution financière, moi mettre image ça que mettez dans PowerPoint là tout ouais, c'est ouais fouille là, ouais produit pas nécessairement mettre l'argent, parce que ça de rappeler que raison que fait avoir ramasser comme ça, c'est pas même pour l'église là lui-même, c'est pas même pour l'église Corinthe. Raison que fait avoir ramasser comme là, c'est pour supporter l'autre monde, pour supporter l'autre monde. C'est ça que fait toujours mon tête, moi me dit tête moi quelquefois me pas comprendre comment nous fait l'église, surtout dans le secteur PAM, non, comment nous fait l'église. Nous toujours dit que je trouvais ça pas bizarre, non, mais je trouvais ça pénible. Je trouvais ça pénible pour yon l'église pas gon fond destiné à supporter l'autre monde. Par contre, on caisse son fond qui destiné pour supporter l'autre monde. Supporter l'autre monde, qui doit dire supporter yon organisation, supporter yon l'autre l'église, supporter yon ministre de l'évangile, supporter yon l'autre pasteur qui a commencé dans l'autre l'église, mais l'autre église a pas aucun moyen pour payer. Vous comprenez? Et puis, ou même, ou l'église pour là, gon budget, gon fond qui est disponible pour support. Donc, c'est des bagages qui interpellent. Parce que là, dans 2 Corinthiens 8, ça n'a pas gardé là. Paul mande l'église à ramasser cob pas pour tête pa yo pour voyer ba yon l'autre l'église qui n'a besoin. On pa konn combien l'église haïtienne non fait ça qui garde qui l'autre l'église qui n'a besoin et que yo même yo que doit mettre un fond sous pied pour coopérer supporter l'autre l'église. Donc première division dans première section première grande division dans passage ça 15 premier verset yo c'est des principes pour la collecte de fonds. Deuxième grande division que nous pas regarder aujourd'hui, hein? C'est-à-dire chapitre 8 verset 16 jusqu'à chapitre 9 verset 5, c'est des provisions pour la gestion de la grâce. C'est-à-dire c'est la manière par ça section ça a traité de la manière appropriée pour gérer comme ça au ramasser. Pour traiter comme ça au ramasser. Donc, ça veut dire que ça est riche pour nous, l'État doit informer nous un peu, l'État doit très informatif pour sous gens nous faire l'église, sous gens nous ramasser l'argent dans l'église et sous gens fidèles doit contribuer. Donc, quand c'est leader, ça a utile, quand sont fidèles, ça doit utile tout pour l'ouvrir yeux pour dire OK, est-ce que c'est comme ça me fait contribution financière moi ouvrir, est-ce que gon façon ka améliorer, est-ce que gain application que me ka prendre de texte ça. Et en parlant d'application, troisième principe là, pardon, troisième section dans troisième subdivision dans section ça il va mettre nous des produits, c'est-à-dire les résultats qui ont découlé de libéralité de contribution financière. Bon, sous ça, on va chercher faire un tout petit peu d'allitération, une façon pour nous qu'à songer le plus bien, pour le sonner plus bien ou bien pour nous prêcher le plus bien, vous comprenez, enseigner le plus bien. Là, on dit principe, provision, produit. Mais à vous de modifier le titre, en fait, de modifier la phraséologie pour faire correspondre à Jean, vous voulez dire. Mais en tout cas, mais comment me garder passage là, globalement, et mes trois mouvements que moi là-dedans.
Et jodi an ap gade premier mouvement qui c'est chapitre 8 verset 1 à 15. All right, mabè di person, tout moun la, nou avèm. On ti reaction tap bien bon oui sou côté ou ap suiv nou yon like, yon partage. Alors, lèm di like la, c'est donc on a raison d'être là. Raison d'être là ça fait permettre que plus moun joine. OK. 2 Corinthiens 8 verset 1 à 15, n'ap gade les principes de la collecte de fonds. Mon tongue twister, je dis, c'est terrible, excusez-moi. Principe pour collecte de fonds. Passage ça, m'gade, nous divisons chapitre 8 et 9 en trois grandes sections, pas vrai? Première section, c'est 15 points universitaires, et bien 15 points universitaires, tout, m'ouel gagne trois subdivisions, trois sous-sections. C'est-à-dire, si m'a enseigné ça ou bien m'a prêché, m'a pensé m'a considéré 15 versets ça yo, j'en m'a fait là, et permettre que ou est trois mouvements. Dans verset 1 à 5, dans verset 1 à 5, Paul a encouragé l'église Corinthe pour yo contribuer, pour la collecte, pour yo contribuer financièrement, mais il commençait avec l'exemple des Macédoniens, c'est-à-dire l'exemple de l'église de Philippe. Il commençait avec un exemple. Donc, focus là, c'est sous les Philippiens, 5 premiers versets. Ou pas loin, qui principe qui sorti dans l'exemple ça que Paul Baye là. L'on dit, mais ça, l'église Philippe fait, mais qui circonstance l'église Philippe teye et que le fait ça, ou pas loin, principe. En réalité, nous te ka fait nous, yon bagay, oui, mais let's see. Is this text? Nope, sorry. De ka fè nou wè. Est-ce que m gen text la louvri? De mette le sou en document, un document Word pou m ka yeah. Okay. Bon mwen sa m de ka fè. Ah, sa pa ek trop gwo. Sorry about that. Okay. On sa m'a fait bon fait nous lire plutôt en nous lire plutôt dans texte là dans version dans Bible EMC en nous garder texte ça 2 Corinthiens chapitre 8 et n'a plus verset 1 à 15 mais pas privé dans 15 on garder pour par ailleurs frères et sœurs notez mot de transition ça OK par ailleurs c'est-à-dire Paul montre clairement que l'a passé dans l'autre aspect dans l'être lié. Par ailleurs, frères et sœurs, Adelfoy, ou Louis II traduit le Cunha, Louis II 21 dit frères et sœurs, Louis II 20 seulement dit frère, quelque chose comme ça. Mais Yovin, content de ce Cunha pour faire traduction, ça relève gender inclusive, c'est-à-dire inclut les genres. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. J'ai noté Forel remarquer que Paul dit objectif li dans section ça c'est faire connaître grâce bon Dieu fait l'église Macédoine. OK? La grâce que bon Dieu fait l'église Macédoine. On leur dit tout c'est quoi cette grâce au milieu même de la grande épreuve, donc circonstances, pas vrai, de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Donc, vous gagnez la grâce de Dieu pour l'Église Macédoine, focus là, c'est l'Église Macédoine, la parle avec Corinthiens, mais il focus sur Macédoine. Qui ça le dit? Ça conduit yo à faire preuve d'une grande générosité. En d'autres termes, c'est quoi cette grâce? C'est la preuve d'une grande générosité ou bien d'une grande libéralité. Donc, yo bay comme avec tout cœur yo. OK? Texte ça continue, vous dit, je l'atteste. Donc, ou gain explication encore. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Si là, on te gagne, dans verset premier, on te gagne, on dit, le verset premier, on te gagne
en phrase, en statement, en déclaration. Verset 2, bon, explication, c'est bon, le contenu de cette déclaration. Et puis, regardez pour ce texte-là dit encore, verset 4, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Donc, le fait qu'on participe, le fait que l'Église a participé, l'Église Macédoine, ouais, Paul pour arriver sous Corinthiens. Il dit que l'Église Philippe, non seulement, bon Dieu fait une grâce, mais il y a même des grâces pour participer, la grâce de participer. Donc, c'est comme si nous avons son faveur lorsque l'Église a gagné chance de participer dans collecte de fonds, dans ramasser l'argent pour aider l'autre monde. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, ouais, 5 premiers versets, ça, ils ont focus sur Macédonien, sur Philippien. Dans mon ouais, l'on commence dans verset 6. Regardez ça, le Paul dit. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité. Vous remarquez que Paul utilise plusieurs vocabulaires pour parler de même phénomène. Grâce, contribution, générosité, libéralité. OK? Il dit là, nous avons encouragé Tite à parachever. Ça nous a remarqué là. Sinon, ces premiers versets, suivez bien mon regard. Suivez bien comment on a essayé de disséquer le texte là. Sinon, cinq premiers versets, il était focus sur Macédoine. OK? Il focus sur Macédoine pour dire que c'est une grâce que bon Dieu fait. Il montrer quelques principes qu'il a, tout. Quelques principes qu'il a, c'est que l'Église là, gon bagay qui pousse au bail. Gon principe là. Gon l'autre principe nous là encore. C'est comment yo bay la, parce que le texte a dit, verset 3, je l'atteste, ils ont donné volontairement. Mot volontairement, t'as doué intéresser nous en pile. Ils ont donné volontairement. C'est-à-dire, c'est pas pression moun que yo joine pour yo bay. Ils ont donné volontairement. L'Église était volontaire pour contribuer. C'est pas pression. Mais elle dit encore, selon leurs moyens. Pour moi, ça sont l'autre principe encore qu'il a. Là, elle dit l'Église là, bah, volontairement, c'est une, mais là, elle dit selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, ça sont notre principe, moi, ouais, là. Principe qui voulait dire que c'est pas mettre tête ou un problème, ou même, mais quel que soit moyen ou gain, ou akabay quand même. Parce que le texte, ça ne saute pas de l'Église là qui est pauvre, c'est-à-dire que c'est pas l'Église qui est riche. Raison que fait Paul a insisté sur ça, c'est en comparaison à l'Église de Corinthe que le Parlement est à l'heure. Philippiens étaient pauvres. Philippiens n'ont pas l'église qui est riche. Corinthe était différent. On port, le port de Corinthe, vous comprenez? La condition de vie économique des Corinthiens probablement était supérieure à celle des chrétiens de Philippe. Donc Paul a dit, ils obéissent selon leurs moyens. C'est-à-dire, si, attendez bien le principe là, oui? Si moun ki gagne moins là, qui pauvre la cabaye, pas besoin du pour vous-même qui gagne un peu plus. Donc, pour moi, c'est le principe qui peut plus, peut moins. Sous cabaye, si gagne monde qui gagne vraiment peu, presque pas gagne le cabaye, ça veut dire que pas gagne monde qui pas cabaye. Donc, tout le monde cabaye. Si monde qui pauvre la cabaye, donc tout le monde cabaye. Mais non seulement ça, livre dit tout, ou même qui gagne, le regarde par rapport à mon qui pas gagne du tout, qui baille, ça t'a doué interpeller. Ouais, le principe qu'il a, le focus sur l'église Philippe, ça l'a expliqué. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Donc, au principe, là, côté que c'est mon qui est volontaire, qui a cherché occasion pour contribuer. Il a cherché occasion. Moi-même, beaucoup d'insistance. C'est pas en vain, non, Paul, c'est pas pour rien, non, Paul l'utiliser. C'est avec beaucoup d'insistance. C'est-à-dire, c'est des mondes qui comprennent qu'ils ont besoin de participer dans le travail, bon Dieu, ils ont cherché occasion pour y participer. Par contre, si nous, ça m'a dit, non,
il y a cherché occasion. Nous songe est-ce que c'est pourquoi c'est défunt Taylor Joseph qui te qu'on dit gain chrétien avant aussi je ne baï dans mais yo tant que yo c'est prier c'est peser pour peser prier pour jeune petit jus. En tout cas à partir du verset 6 au grand changement nous avons donc mot donc c'est lui qui montre au nouveau changement qu'on va le faire là et ça fait si m'a prêché et ben m'obligé pour verset 1 mais si m'a enseigné bien sûr m'a verset 1 à 5 mais l'homme rive dans verset 6 m'a comprendre que grand l'autre bagage qui fait là sous base ça me saute doux sous l'église Philippe là. Donc, l'organe donc, le donc c'est comme décision, c'est comme leçon qu'on peut l'appliquer par rapport à ça. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi. Well, ouais principe là, c'est-à-dire si ça qu'a fait dans Philippe, dans Macédoine, qui pauvre, qui a difficulté, qui en souffrance, ou même ou pas dans bagage ça yo, me dit tête moi qui ça fait ou même comme Corinthien ou pas fait effort nécessaire là qui ça effort ça est effort là c'est ce geste regardez bien pour le passage là ce geste de générosité ce geste de générosité c'est ça Paul a patane pour fait mais Paul dit tout l'a fait titre parachever parachever c'est-à-dire mener dans bout li fini li terminer. Si pour finir un bagage, si pour terminer un bagage, si pour parachever un bagage, c'est parce qu'il a déjà commencé et qu'il était campé. En d'autres termes, de manière très avec beaucoup de finesse, pour la reprocher l'église là tout de ça relait la procrastination. Attendez bien oui frères et sœurs, l'on étudie un texte, on regarde essayer comprendre ce texte là. Quitte texte là pas là avant. Paul a dénoncé critiquer la procrastination qui t'est gagné de la part des Corinthiens. Procrastination, c'est un gros mot qui voulait dire renvoyer à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'Église a été douée continuer le projet, mais au campé. Yo campé projet, yo quitté ça tomber, yo lagué ça, yo quitté le tomber. Paul a voyé titre pour al finir ça. Mon connu un principe moi dans ça tout. Non seulement l'église a dû veiller le danger de la procrastination, mais il y a un principe qu'il a dans là tout. Paul te doit seulement dit reprendre business là, reprendre activité, même dit business, m'a parlé de collecte de fonds. Reprendre collecte de fonds. Mais pour qui ça l'obliger voyer titre. Pour ça voyer titre. Le map gade, par contre, je suis d'accord avec moi. Moi, je me rends compte que sembler quelquefois ou besoin de monde qui pour encourager ou pour bailler. Vous voyez ça, Abdoula? Quelquefois, besoin de monde qui pour comme un support, qui pour faire suivi avec vous. Et sous un coup, principe ça a marché pour vous. Par contre, je suis d'accord avec vous. Quelquefois, pas parce que pas une volonté, non, mais comme si oublier ou ça passer dans l'esprit ou et puis jusqu'à ce que on l'autre monde doit dire ah il faut songer well ou besoin sorte d'encouragement un monde qui pour pousser à l'action. J'ai l'impression l'arrivée de Tite a joué rôle ça. Les Tite vini ça a encouragé Corinthiens yo pour reprendre ou bien pour si vous voulez reprendre mot Paul là pour parachever cette œuvre de grande générosité. Par contre si n'a pas suivi avec moi non. Est-ce nous là? Est-ce nous ça qui a passé là? Paul obligé voyer titre pour parachever cette œuvre. Donc quelquefois au besoin monde tout qui pour aider ou faire encourager pour sur route ça. All right? Et puis texte a dit comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté vous aussi de votre côté vous avez tout en abondance. Gardez contraste là hein. Si dans verset 1 à 5 où tu gagné les Macédoniens, c'est-à-dire les Philippiens. Paul décrit eux comme monde qui était pauvre, comme monde qui était dans souffrance, comme monde qui était dans détresse, mais ils ont contribué quand même. Paul dit là, vous avez tout en abondance. Nous-mêmes, nous sommes riches. Bon, à quel niveau, jusqu'à quel point Paul estime que vous êtes riches, mais texte là bas exemple de abondance. Regardez-vous, il dit la foi. La parole,
la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour, tout, pour nous tous. Donc, pour riche, gardez tout ce gain en abondance. Alors, pas quitter moun ki pi faible, qui pas ta même capable même, yo fè ou pas, yo font effort, alors que ou même qui gen moyen pour vivre, ou même qui ka vivre, ou pas fè rien. Après, mette frère Jean-Marie encore, pas doué gen parasite dans le travail bon Dieu. Tout le monde kabaye on bagaye quand même. Faites en sorte que, mais exhortation pour là, il dit, nous, regardez ça, ça le dit là, il dit, vous avez tout en abondance, regardez le mot, vous avez tout en abondance, regardez ça, le dit dans verset ça là, faites en sorte que cette abondance, cette même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Man, Paul is a great philosopher, son gros, un grand philosophe. Paul dit même Jean ouais nous dit nous grand pile nous grand pile abondance nous même abondance nous en fait mouel nan kob nan bay fait mouel nan kob nan bay OK fait mouel comment fait mouel nan Jean nous prend kob nous pour investir nan travail bon Dieu dans l'église. Donc c'est intéressant pour nous ça. Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Et pas l'autre m'a nous. Encore une fois, si apôtre Paul, attendez bien, oui, frères et sœurs, si apôtre Paul a demandé l'église à contribuer, il dit pas l'autre m'a nous. Ça doit dire nous quelque bagaille par rapport à je nous fais l'église aujourd'hui. Comme si, comment pour camper, pour dire, OK, et là, c'est 1000 gouttes seulement m'apprend. OK. Mais un problème, il y a une stratégie derrière, mais on questionne quand même. Pour qui ça pour dire que c'est monde qui a 1000 gouttes qui peut venir bailler? Well, côté 1000 gouttes, vous comprenez? Ou bien, tant que monde qui est offre ça, ça dit que c'est 1000 dollars seulement. Vous pas gagner 1000 dollars ou beaucoup là. Tant tout pas. Ou est-ce que nous classons? Sans nous parler, nous classons mon yo. Nous classons mon yo dans le genre de traité yo. Ou son classe ou même ou son groupe papa ou pour un groupe moun ça ou pour qu'on kabay 1000 dollars ou même tant tout pa ou pour là bon dit la moun 1000 dollars bon dit d'abord avec moun 1000 goud yo et puis ou même qui kabay 10 dollars font titan nous pour qu'on bagay ça c'est ti bay ti poussière ou pour là ou même psychologiquement même si c'est ça qui fait moun yo marcher vrai malheureusement c'est ça qui fait moun yo marcher mais pratique la dénigrante. Bon, ou pas d'accord avec moi, et c'est normal ou pas d'accord, mais fait me connaître comment Welly. Personnellement, je pense que son pratique dénigrante le nous fait ça. Parce que mon yo te doit libre pour porter ça yo kabay, ou pas obligé bay un ordre. Paul dit, je ne dis pas cela pour vous donner un ordre. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre. L'ordre dit mon 1000 dollars mon ça ne relé offrande de Salomon yo. Et offrande Salomon seulement, yeah, ok, c'est cet ordre que tu donnes. Moun ki poko nan Salomon, yo poko kavini yo même, yo poko gen 1000 dollars. Le di moun 1000 goud yo, well, en tout cas, fèm kon sa pense, m'ap konreme konen réaction sou ça, ou ka commenter sou chat la, sou Facebook ou bien YouTube, koto ye, mais Paul dit, je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour, mettez-nous à l'épreuve. Et pas l'autre m'a nous, mais l'homme dit nous pour nous reprendre contribution de déjà commencé à mettez-nous à l'épreuve. Maintenant ça veut dire pour éprouver votre sincérité. Sous garde contexte 1 Corinthiens, bon qui avec nous bon petit temps déjà comprendre ça, nous dit que 1 Corinthiens livre la même à insister sur l'importance de la repentance dans l'église. OK, là on parler de le regarder livre là dans sa globalité. Puisque m'dou l'église a des problèmes avec Paul, gain faction des groupes qui étaient contre lui, des opposants farouches et que Tite vient balle nouvelle que l'église a repenti. Et c'est ça que Paul a écrit aux lettres ça. Donc lettre là il cadré dans cadre repentance. Chapitre 8 et 9 entrer dans cadre repentance là tout parce que c'est comme si Paul a dit si nous repentis vrai, montrez que nous reprenne contribution financière nous t'ai commencé depuis l'année dernière là. Un an passé,
Oussama Abdullah, depuis l'année dernière, il a commencé à ramasser comme là et puis il a quitté ça. Paul a dit, c'est pour vous éprouver, pour éprouver votre sincérité, pour éprouver la sincérité de votre amour. Comment on peut faire ça? Par l'exemple du zèle des autres. Par l'exemple du zèle des autres. Ça, me comprend dans ça, c'est que, ou par exemple, qu'on gagne passion pour aider l'autre monde. Alright? En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, on l'autre fois encore, Paul insiste sur la grâce comme compréhension pour pousser nous. Fait ça, n'a pas faire. Il dit, si pour mon yobay, base là, condition, ça doit motiver nous, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. Une raison qui fait que vous avez besoin de bail, c'est parce qu'on comprend qui grâce Jésus-Christ fait pour vous. Là, c'est l'amour sacrificiel de Christ. Son principe qu'il a, c'est que Paul a montré nos besoins contribués pendant que nous suivons le modèle sacrificiel de Christ. OK? Bon, faut y camper sous texte là et tourner sur PowerPoint là qu'on y a pas juste survoler avec nous, ça m'a passé faire nous là dans PowerPoint là. Donc on t'a regardé les principes, pas vrai? 15 points verset yo montre que yo gain son focus sur macédonien yo, verset 1 à 5. Pour le principe yo. Ensuite, Paul va l'appliquer ça dans verset dit 6 à 9. C'est pas 2 à 9, mais c'est 6 à 9. Verset 6 à 9, côté que Paul a insisté pour mettre ça en application. C'est-à-dire, modèle yo et macédonien yo faire, malgré yo même yo pas gen moyen yo pauvre, nous même qui gen plus abondance, traduit abondance nous par des actes concrets. Qui acte concret? La générosité chrétienne. Et puis, verset 10 à 15, il peut montrer qui danger nous doit éviter lorsqu'il s'agit de la collecte de fonds. On regarde ça rapidement, OK? On essaie énumérer principes pour vous parce que on connaît le cas utile ou même le nous sur voyons dans texte là ben il cas utile pour réviser, pour avancer. Mais ça m'a remarqué. D'abord, cinq premiers versets, Paul focus sur les Macédoniens et Paul montre que l'œuvre de Dieu doit être financé par les serviteurs de Dieu. Texte là commence pour dire frère. Paul dit ça frère, m'a parlé. M'a continuer de remarquer ça, non? Alors, on va insister sur le tapli texte là avec nous. Bon, faut y tourner sur lui rapidement. Bon, m'espère bibou avec pour tout, qu'a regarder. M'a regarder ancien Louis II, ancienne version Louis II, hein? On va lire là-dedans dans 2 Corinthiens chapitre 8 et puis appli verset 1er. Pour montrer insistance là. Paul dit, 2 Corinthiens 8, verset 1er, Bokola, all right. Nous vous faisons connaître, frères, bien, nouvelle version du second dit, frères et sœurs, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Paul dit, m'a adressé à des frères et sœurs, concernant grâce, mon Dieu, qui s'est possibilité pour contribuer financièrement dans le travail de Dieu. Parce que combien Abraham a ça pour vous voir l'autre église? Ça veut dire que bon Dieu décide que pour travailler les marchés, c'est avec serviteur qui a fait travailler les marchés. Donc l'œuvre de Dieu doit être financée par les serviteurs de Dieu. Je vais le lire pour tout à l'heure. Il y a un commentaire que Dr. Swindoll fait par rapport à ça, je pense qu'il est tout à fait à propos. C'est pas bon Dieu pas attendre ces païens qui pour financer travail. Mais bon Dieu attend que vous travaillez la fête, c'est chrétien encore pour financer. Maintenant il y a c'est chrétien pour financer. Question mon qu'on posait m'était tant des questions ça en l'air ou a dit me sont penser gars mon qui dit bon et si oublier non chef Bolet ça oui en Haïti qui gon gros qui était candidat à la présidence tout et s'il fait un chèque voyer by l'église là li convoye contribuer li font chèque $1 million li voyer by l'église comme contribution financière est-ce que l'église a doit prendre ou pas prendre parce que c'est président banque Bolet lié ah gars il pas qu'à changer non on va aller paix éternel
Oui, Père Éternel, oubliez non. Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste, merci en pile. Alors, pas lui faire personnalité trop. Non, mais ça te frappe, je me t'étends des questions comme ça. Et si Éric Jean-Baptiste décide de faire un chèque, vous voyez, l'église, ou un chèque $1 million pour supporter l'église, est-ce que l'église doit prendre ou bien pas prendre? Yeah. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça nous besoin de songer. L'œuvre de Dieu doit être financée par les serviteurs de Dieu. Bon Dieu attend que c'est nous-mêmes qui pouvons mettre main à la pâte pour financer ce travail, bon Dieu. Nous avons remarqué que Jérusalem, attendez bien, oui, on grand goût frappé Jérusalem. Il y a mon qui dit, grand mon cap spéculer sur qui raison que tu fais venir grand goût ça, mais de quoi qu'il en soit, tu es grand goût. Paul a ramassé l'argent. Il dit pour vous supporter l'église de Jérusalem. Dans le même way, c'est-à-dire, chrétien doit un focus dans comment il a contribué lorsque chrétien. Focus ou d'abord, c'est contribuer pour soulager misère, frais pareil. D'abord. Ça va vous dire pas aider l'autre monde, non? Mais priorité, c'est les chrétiens. D'ailleurs, Paul dit ça dans Galates. Galates 6, il dit ça. Dans Galates 6. Il dit d'abord, c'est pour tes fardeaux chrétiens pareil. Ouais. Même l'or qui a supporté l'autre monde, mais priorité nous, le nous avons surplus financier, le, pas seulement le nous avons surplus financier, mais dans le budget, dans le genre, nous avons préparé pour nous aider les gens, pour nous aider à contribuer à nos œuvres caritatives quelconques. Premier souci, nous, c'est l'organisation chrétienne pour nous supporter. C'est chrétien qui a besoin pour nous supporter. Avant nous, ouais, l'autre monde. Bah dit pas ouais l'autre monde non, mais priorité à ces chrétiens. OK? Donc l'œuvre de Dieu doit être financée par les serviteurs de Dieu. Mon autre principe qu'il a dans verset 2. Dès nous ça tout à l'heure parce que nous voulons dire qui peut plus peut moins, souvent qu'à reformuler. Mais ça Paul a dit dans verset 2, Paul dit que si l'église Philippe qui était dans condition difficile que était y ont contribué malgré leur pauvreté extrême. Et pas ou même Corinthiens qui ont abondance, qui n'ont pas contribué. OK? Ça, c'est verset 2. Ensuite, troisième principe, nous dans verset 3, arrivé dans verset 5, c'est que la générosité doit être volontaire. Paul dit pas l'autre map banou. Paul dit, you buy volontairement. La générosité doit être volontaire, pas imposée. C'est-à-dire, ou pas qu'à imposer, mais qui quantité pour m'bay. Ou pas qu'à décider, faut que c'est $100 pour m'bay, ou bien c'est 1000 gouttes pour m'bay. Ou pas qu'à imposer ça. Elle doit être volontaire, non imposée. Elle doit être enthousiaste. Texte a dit, ils ont donné avec joie. C'est-à-dire, ou soit bailler pour dire, c'est frère, si je parle sous affaire bailler ça, je m'en baille quand même, oui, mais comme ça, tu as fait l'autre bagaille. Bailler ça, s'il peine, ce n'est pas bon moment pour bailler. Ou doit bailler avec joie. Pas résil et pas dans ce qu'on résilie ou comme la sortie quand même. Vous comprenez? Doit sortir avec donc elle doit être volontaire, enthousiaste, dévotionnelle. Quand elle sortir avec mot avec caractéristique dévotionnelle, là c'est parce que le texte l'a dit, ils se sont donné eux-mêmes, ils se sont d'abord donné à Dieu, pas qu'à citer le texte là bien. Bon l'île Pito. Quoi c'est verset 5 qui dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, la dévotion au Seigneur, c'est the commitment, c'est dévoué à la cause de l'engagement, voilà, l'engagement à Dieu. C'est parce que c'est mon bon Dieu qu'il faut faire ça. Well, voilà trois principes, je pense, qui sortent dans verset 3, dans verset 1 à 5. Trois principes, ça y est, c'est peut-être. Ça te ka aide tout, soit pas enseigner dans l'église ou, soit pas encourager l'église ou, soit pas enseigner sur sujet a, soit font leçon tout. Et par contre, quelquefois, li bon pour tout gagner en banque de données, des bagages qui disponible si on relo enseigner ou konn ki koto pou al faire pour joindre. On pense dans sens ça que ça ka aide ou ka utile. All right? Voilà, trois principes qui sorti dans verset 1 à 5. Tiré de l'exemple des Macédoniens. Ça, c'est le premier mouvement. Mais le deuxième mouvement, côté Paul passé, dans verset 6 à 9, regardez, oublier, changer ça.
Non, pas là, exactement. Citation que je vais partager sous Dr. Swindoll, là, par rapport à ça. Dr. Swindoll dit, Paul commence par s'adresser aux frères, c'est-à-dire aux chrétiens comme lui. Cela peut sembler insignifiant, mais nous devons garder à l'esprit que, voilà, mais ça qui est intéressant là, regardez pour vous, nous devons garder à l'esprit, il faut nous songer, que le ministère de soutien financier, en anglais, il y a Ministry of Giving, pas de les traduire par ministère de don ou bien ministère, par contre, si la traduction est correcte, net, mais créole la marche puis bien là, ministère pour bailler, the Ministry of Giving. Créole avec anglais, pour moi, il marche puis bien, mais français est un peu difficile là pour moi exprimer même idée. Il y a des gens qui ont don bailler, well, qui ont ministère pour bailler, the Ministry of Giving. Donc, il dit le ministère de soutien financier est un ministère de croyants. Dieu ne demande pas aux païens de soutenir son œuvre, c'est la responsabilité de la famille de Dieu. C'est la responsabilité de la famille de Dieu. Donc, mon Dieu, et papa, hein, il a besoin pour dégager, font un geste là, non, pour aider l'église, ça, pour aider l'organisation, ça, pour aider le ministère chrétien, ça. Non, mon Dieu, c'est chrétien encore qui pour soutenir l'œuvre, le ministère chrétien. OK? D'accord avec Dr. Swindoll et ça que je voulais partager ça avec nous, parce que c'est très important. Donc, premier principe là, premier aspect, c'est que Paul focus sur Macédonien, souligner l'exemple des Macédoniens, lui mettre l'exemple Macédonien sur un spotlight pour faire nous voir. Mais qui moun yoye, mais qui sa yo fait, mais qui principe nous katire là-dedans. Mais deuxième bagala kounya la pala à Corinthien yo, et c'est aspect application. Ok? Il dit, mais ça ne ka fait nous-mêmes. J'aime te dire, m'comprendre que, à partir du texte là, verset 6 là, la libéralité est boostée par un mécanisme de suivi. Songez que l'église Corinthe te commencé à ramasser comme là depuis l'année précédente. C'est que ça dit depuis l'année dernière, une des commencé bagarre là. Depuis l'année dernière. Et Paul dit moi engagé Tite, moi commissionné Tite pour venir faire suivi avec nous. On pense que c'est important pour que dans l'église de Yoto, nous ayons un mécanisme de suivi. Comment on a encouragé mon Dieu. Donc encourager mon Dieu pour faire don, c'est important. Gain l'église me connaît qui fait ça relé en pledge. C'est-à-dire gen moun li ba en forme li dit OK pour année alors on va parler de l'église qui gen budget l'église qui gon administration OK on parler de l'église qui gon administration yo konnen yo gade budget yo pour année combien qu'on va dépenser pour année a dans différents secteurs différentes rubriques comment ça coûte pour année a yo gade mambio et puis yo dit mambio pour faire yon pledge sous base combien on va entrer pour année a combien on voulez combien on pense on ka ban nous pour année a et donc pledge ça a offert ou à bailler dans jour capable n'a juste comptabiliser imagine au monde n'a dit pour année m'a ca bailler 1000 dollars pour année et ben c'est ou connaît soit bailler chaque mois soit bailler chaque 3 mois mais ou gon pledge ou gon forme ou rempli ou dit que moi veux bailler 1000 dollars de contribution pour année a sou veut tout bailler un seul coup tout l'église a tout connaît li ramasser li comptabiliser les que administration l'église là a utilisé comme l'argent doit fait m'a parlé de l'église qui gagne en administration. OK? Maintenant, dans cas ça, on a toujours besoin au monde qui pour rappeler mon yo songer que nous avons tel budget mais là nous manque monde qui te pledge yo garder pour nous comment nous cap bon encouragement, bon rappel. Sous tant coum ça son bagage utile moins. OK? Le monde en rappelle que ou son jour ou te voulez aider nous, pas oublier ça non, pas mettez nous dans calendrier. Well, donc Paul dit m'a voyé Tite pour faire travail ça. Pour moi me penser en principe c'est que nous besoin quelquefois un mécanisme de suivi. Mon deuxième principe que me penser qui est important. Paul dit dans verset 7 et 8 nous gagnons pile abondance. Et abondance ça c'est des vertus spirituelles que le cité. Tu as vraiment remarqué. L'homme garde verset 7. Regardez avec moi verset 7. Il dit de même que vous excellez en toutes choses. Yeah, vous excellez en toutes choses. Je vais mettre la traduction, le second changer le tout, parce que le verbe là, c'est perissuo, qui veut dire abonder. Je vais vous dire exceller.
bon li nouvelle version Louis II, hein? Verset 7 dit, mais vous excellez en toute chose. De votre côté, vous avez tout en abondance. Voilà, ça a plus bon, les plus proches grecs là. Et ça que m'a dit nos frères et sœurs, si qu'on est nous habitués avec Louis II, ancienne version, mais si maison d'édition, hein, rendez-vous compte que vous avez besoin d'éditer, donc ou pas car vous même rester dans ancien, vous êtes pire royaliste que le roi. Ok, vous avez tout en abondance. Regardez qui ça Paul dit au gain en abondance: la foi, la parole, la connaissance, le zèle. Et puis là, le fin dit ça, il dit faites, verset a dit faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Ou pas dit spirituellement correct. Ou pas dire spirituellement, ou ap servi bon Dieu tout bon? Eh bien, si ou ap servi bon Dieu tout bon, fais-moi ça dans Jean ou ap baye comme. Oups! Ça, Paul dit là. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. En d'autres termes, Paul a dit, un bon moyen pour moi équilibre qui gagne dans la marche spirituelle, c'est le moi li en parité avec contribution financière. En genre, on a dit l'autre monde, le ministère chrétien, le pensée l'église, etc. Est-ce que nous restons à Abdiya? Non avec moi? Bien, quelle est moi celle qui est? Nous là? Donc, deuxième principe, on pense là que Paul a dit, la générosité est un indice d'équilibre spirituel. Même genre, nous gagnons abondance dans la foi, dans la parole, amen, dans la connaissance, dans le zèle, ça content ça. Merci c'est moi. Merci c'est Nofael qui bon mon backup, qui dit là avec moi. Nous gagnons abondance dans la foi, abondance dans la connaissance, abondance dans le zèle, etc. Fais-moi ça tout dans don de grâce ça. Donc c'est un indice d'équilibre spirituel. Non avec moi nous là? Good. Mon troisième principe qui est dans le passage là, qui est dans verset 6 à 9 là, verset 9 là dit que faut ne pas oublier ça Jésus-Christ fait, lui-même qui était riche, il fait le pauvre pour que nous-mêmes nous devenions riches. Donc, il faut suivre le modèle de générosité sacrificielle de Christ. Il était riche, il sacrifiait volontairement que nous-mêmes nous venions appartenir à la riche famille de Dieu. Voilà trois principes que nous venons dans verset 6 pour arriver dans verset 9. Ouais, et ça comme t'as dit nous verset pour moi verset 8 à 15 a traité de principes pour la collecte, principes pour la contribution financière. Mais qu'on troisième élément, il y en a verset 10 pour nous arriver dans verset 15, un troisième mouvement dans texte dans sous-section ça. Pour moi pour la présenter des dangers. Gain danger pour ne pas tomber là-dedans. OK? Il y a danger pour nous pas tomber là-dedans. On garde qui danger oui. Mais bam allant texte là avec. Gardez Bible. On nous garde verset 10 pour venir dans verset 15. On garde quelques dangers. Ou t'as saisi tant de ça comme si ou, alors quand même c'est des principes mais même dans affaire bail, t'as un piège là dans le dos, t'as un danger. Qui danger nous besoin éviter? Le n'a bail contribution financière. C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Regardez, oui. Dame, nous, ouais. Paul dit là, projet, l'Église a été commencé dès l'année dernière, l'année précédente. Qui danger gagné? Mais un piège pour ne pas penser là qui que nous ca on piège qui envahit nous. Ça me t'a parlé de la procrastination. Une sorte d'hésitation, on dit ah, m'a gain temps. Danger là c'est que en pile fois, chaque fois dit wap gain temps faire, c'est rend nous compte que comme vous t'ai voulu faire là passer dans mon ou pas gain temps faire ça de faire. Il passer dans l'autre bagaille. You know, par contre, c'est parce que je ne suis pas riche là qui fait moi ça, non? Peut-être que mon riche ou elle différemment, mais mon qui, même j'ai avec moi, il a remarqué que
ou gen pression l'argent pas arrêté. Ou pas remarquer ça, comme si l'argent est fait pour être dépensé. Ou gen pression depuis l'entrée, te gen 10,000 bagay k'ap tande ni. 10,000 bagay k'ap tande ni, comme si gon mécanisme qui en place, pays a gon jan fonctionner même li met ton système en place qui fait que ça qui vient dans mon lan c'est recevoir nan men gauche rebay li nan men droite. Kounya ou vle fon bagay sérieux on bagay en contribution financière et comme ça pour dire tête OK m'a getan fè bon fè ça before you know it avant ba jour nou kote sorte vle faire ou décider faire ou va faire. J'ai besoin c'est pratiquement un peu ça qui arrivé là dans passage n'a dit. Paul dit nous t'ai commencé projet depuis l'année dernière. Nous pas fait depuis l'année dernière. Et non seulement depuis l'année dernière, vous avez été les premiers à vouloir faire cette collecte. Les premiers à vouloir. C'est comme si au départ mon était enthousiaste pour faire et puis dit fait à casser. Ça pas qu'on arrive nous, nous pas comme si bon motivation fait là ou sous ça ou sous bas et puis oups de toi t'as passé. Quel est celle moi qui vit sous la tête qu'on bas ça. Ça pas qu'on arrive nous mêmes du tout. Oh ben m'excusez, m'exposer la vie là alors que nous mêmes nous dans l'autre niveau spirituel qui tellement haut nous quitter ti bas ça nous quitter le derrière net nous mêmes. Nous pas ça pas arrivé nous. Mais Paul a dit l'église Corinthe ça t'est arrivé yo. Yo t'es parmi les premiers à vouloir faire, à vouloir contribuer, t'es enthousiaste pour faire et puis dit fait à éteindre. Leur feu est cassé. Paul dit OK, me comprendre ça, mais regardez ça le 19 verset 11. Mettez donc maintenant. Nous t'a aimé étudier la Bible, garder nuance là, garder le mode de pensée de Paul, la marche à suivre de Paul. Ou bien dès l'année dernière passée, et puis regardez qu'on y a dit donc maintenant. C'est une valeur de procrastination, renvoyer à demain, on hésite à se dire ouais, qu'est-ce fait. Paul dit mettez-la donc maintenant, menez-la donc maintenant à bien. Reprendre projet, entrer là dans le cunia, mener là donc maintenant à bien afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens. Encore une fois le principe là, en fonction de vos moyens. Donc question mon a imposé $1,000, a imposé $1,000, c'est ça vous bail là, ça pas l'évangile. En fonction de vos moyens, ok, mettez à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Même gens ont été enthousiastes pour faire là, passez à l'acte. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a. Par contre, si il y a quelques leaders qui j'aime lire passage ça, en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En fonction de vos moyens. Well, il dit ça là, dans verset 11, regardez pour ça le dit là. En fonction de vos moyens. Dans verset 12, il répétait en fonction de ce que l'on a et non ce que l'on n'a pas. Explication, verset 13. En effet, explication. Mais ça me voulait dire, l'homme dit en fonction de vos moyens, l'homme dit en fonction de ce que l'on a, et même si bonne volonté a existé, ou qu'il y a une bonne volonté, mon pas gagné les ressources nécessaires. Donc, pas quitter le monde manipulé ou pour créer bonne volonté en haut. Eh bien, oui, parce que il y a un bon psychologue. Et puis, il y a un bail qui est difficile pour apprendre comment le monde fonctionne, vous faites tout. Mais, ça dit, Frère Jean-Marie, nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes. Et pas parce que nous ne savons pas qui ça pour nous dire comment nous faire. Frère Jean-Marie, et pas parce que nous ne savons pas qui parle pour nous. Nous ne pouvons pas faire démagogie, pas vrai? Tendez bien, oui. Paul dit, en effet, mes explications, en effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres. Mais de suivre un principe d'égalité. Ce n'est pas mettre tête dans un problème, si quoi vous avez un, pas même suffit, et vous prenez le côté là, aller parce que vous avez des doux, vous planter, vous avez vin faire babda aon, vous faire offrande de Salomon, ou bien offrande de David, tout non, vous avez vu, balio. Ce n'est pas parce que vous avez fait, vous créer émotion, li trigger, vous déclencher émotion, le déclencher émotion, vous créer désir là.
il crée ça, ça pour régler la bonne volonté là, et puis ou même vous ou exposer tête. Paul dit non non non, pas tomber dans piège ça. Pas tomber dans piège ça. Même les moi-même m'a encouragé nous. Bye, mais comme façon ça fait. OK? Dans les circonstances actuelles de votre dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. Où est une sorte de partenariat qu'a développé là? Paul expliquait ça dans verset 15, comme d'Armen, il dit conformément, c'est-à-dire selon ça, la Bible dit, conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, c'est-à-dire pas un problème pour ramasser en pile, mais le ramasse en pile là, il faut qu'on ait qu'en pile qui n'en moulant tout pas pour. Pas de problème pour ramasser en pile. Mais, ou pas qu'on ramasse en pile, ou empiler la banque, ou bien quand on mette là, alors que quelqu'un qui koto cap souffri. C'est ça Paul a dit là. Paul fait allusion à la manne. Le monde était qu'on a ramassé, la manne tombée, tout le monde a ramassé, pas vrai? Mais même ça que tu ramassé en pile là, li en fonction de ça de dimension famille, mais pas quelqu'un qui t'est manqué parce que on partage qui fait. Et ça qu'elle dit, votre abondance pourvoira à la leur, tout comme leur abondance pourvoira à votre abondance, à vos besoins. Donc, une sorte de partenariat. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait rien. Qui ça fait lui ramasser petit crasse, mais lui vivre quand même, c'est parce que le monde qui était en pile là, aidez-le pour remplir sa guerre. Alors, une question de pas de gain parasite là, tout non? Parce que ni le monde qui ramasse en pile là, ni le monde qui ramasse petit crasse là, tous les deux t'as ramassé, mais nous, ouais, ça. Il y a un monde qui juste chita, captain, moun voye ba yo. Frère Esdras partage avec mon vidéo, mon pasteur prêché, gen lesse nan Saint-Marc, mon chèm content pasteur ça. Ba konnen, mais si m'te gen contact li, m'tap écrit pou m'di félicitations, bravo. Peut-être que m'a mette le sous groupe étude biblique là tout, m'a partagé. Monsieur prêche un message, il dit, li pas possible. Pour moun a vinn dou vinn ba on est poto vinn ba vrai parce que pas konn ki pour pas faire l'argent dans Dieu, c'est mon à l'étranger qui a voué $50, $100 baou, ou par contre, qui mise le fait, et puis comme la entrée facile dans le monde, on autant nos pasteurs, ou bien on soi-disant prophète, il y a des prophètes, après, m'a dit sa pasteur a dit, qui dit, vin by Bible, et ou prenez le bail livré. Et puis il dit tout, il n'est pas normal pour des leaders tout, qui organise jeunes, presque toute semaine, parce que c'est moyen tout pour passer plateau, pour passer offrande. Mais ou pas capable demander moun pour venir passer pour la venir contribuer tout le temps alors qu'on pas le temps pour le travail là ou pas encourager pour le travail soit pas encourager lui dans jeune chaque jour ou pas encourager lui dans service chaque jour qui le même ou dit pour le travail pour pas venir l'église là pour pas venir dans jeune pour le travail qui leur dit ça vraiment d'accord avec pasteur donc pas gain parasite parce que le texte a dit gain moun qui te ramasser en pile mais gain moun qui te ramasser ti crasse l'essentiel faut le ramasser quand même. Oh non, nous pas comprendre ça m'a dit, nous pas comprendre. Ou bien tu penses que c'est moi qui a mal interprété texte ça, faut qu'on le ramasse quand même. Ou qu'on le ramasse ou pas ramasse assez, dans cas ça, gen l'autre monde qui doit venir à secours pour aider supplémenter en tout cas whatever that is. Pour aider rajouter à son besoin. Et c'est le chrétien pour le faire. Mademoiselle, moi fais mon passage là, intéressant, me content. Merci mademoiselle. 1 Jean 3 verset 17 18, marquez texte ça. 1 Jean 3 17 18, il dit si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, mon ça pas agi suivant parole bon Dieu. Pas capable ramasser ou accumuler alors que mon beaucoup pour la pas joindre ou mon dans le besoin. Les besoins aide. Donc, faut nous sensibles à ça. Nous voyons comment texte là développé. Alors, brièvement, qui ça moi-même m'a tiré là-dedans pour nous? Verset 8 à 15. Qui principe, il y a danger pour nous éviter. Danger pour nous éviter, première, c'est que c'est la procrastination. C'est-à-dire, vous voyez bagarre là demain ou du aguetant. C'est verset 10 et 11 qui dit nous ça. Deuxième danger pour nous éviter, c'est la libéralité excessive. Ça, la libéralité excessive expose le croyant à la détresse. Pas bail, pas bail, sans pas gagner. Faut contrôler ce bail là.
La libéralité, certes, mais le padoué ont libéralité excessive. Paul dit, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres. Et pas moins de dire, regardez 2 Corinthiens 8, versets 12 et 13. Donc, la libéralité excessive expose le croyant à la détresse. Troisième et dernier principe, que nous avons verset 14-15, il faut faire attention au danger de la velléité de suréconomiser, parce que cela éclipse les besoins de l'autre. L'heure où on tendance pour ramasser, où on va mettre là, on va ramasser beaucoup, c'est normal pour ramasser beaucoup, mais suréconomiser fait qu'on parle l'autre pour qu'on a besoin. Il faut parler, éclipser. Donc, ce sont l'autre danger. Voilà en gros 3 dangers pour nous éviter dans verset 10 à 15. Ce qui m'amène pratiquement à la fin de cette présentation. On va quitter au parler, mais bon rappeler qui ça nous est aujourd'hui. OK? Le nous garder 2 Corinthiens 8 et 9 de chapitre ça, il pratiquement montrer nous gain 3 grands mouvements. Il y a des principes dans 15 premiers versets, il y a des principes que Paul présentait pour la collecte dans l'église, pour faire ramasser l'argent, il y a des principes pour ça. Que nous sommes là, des principes, des dangers pour éviter. OK? Dans verset 16 jusqu'à chapitre 9, verset 5, Paul bail des provisions, des conseils sur la manière appropriée de gérer cet argent. Que nous avons dans la prochaine séance, si Dieu veut. Et puis finalement, il parlait de résultats ça bail dans verset, chapitre 9, verset 6 pour arriver dans verset 15. Résultat, ça baille lorsque nous faisons la collecte. Pour aujourd'hui, alors ça c'est pratiquement division texte là. Pour aujourd'hui, nous focus sur chapitre, sur verset 1er pour arriver dans verset 15 et nous garder 3 mouvements là-dedans. 5 premiers versets, Paul focus sur Macédonien, les Philippiens, pour dire mais qui moun yo te aimé, mais qui condition yo te aimé, yo baille quand même, mais qui ça te mande, mais qui principe que nous avons tiré là-dedans. Verset 6 pour arriver dans verset 9. Paul Kounia, ils font shift, ils font changement, ils peuvent parler de Macédonien encore, ils disent Corinthien Kounia là, pratiquer, appliquer exemple Macédonien pour nous contribuer dans le travail bon Dieu. Et puis finalement, verset 10 à 15, nous avons plusieurs dangers. Nous avons montré nous trois là-dedans, par exemple, pour nous éviter nos affaires, ramasser l'argent, nos affaires, contribution financière. Mais espérez-vous, ça t'a aidé. Vous pensez que nous avons retenu. La contribution pour l'œuvre de Dieu est l'affaire des chrétiens. C'est nous chrétiens pour supporter chrétiens pareils nous. Bon Dieu papa attend, c'est pas rien pour faire. Il qu'a utiliser pas rien tout comme il qu'a utiliser n'importe qui moyen. Mais bon Dieu attend ni comme si ou l'impression bon Dieu pas décider la faire miracle faire l'argent tomber sur le ciel là. Vous comprenez? Pour ministère à marcher, pour l'église à marcher, pour travail à marcher. Il était qu'à faire. Mais il décide pas miracle la faire pour l'argent sur tomber dans le ciel. La utiliser poche moi-même à poche Paul. Donc la contribution pour l'œuvre de Dieu est l'affaire des chrétiens. Deuxième principe, moi c'est elle que nous avons we walk out with, ça nous a doué nous pendant que Mbal quitte nous prend la parole, c'est que la contribution financière, elle se fait volontairement avec joie, avec enthousiasme, sans pression. C'est pas mon cap contre nous dit bye temps qui manipule bye offre non non. Pour qu'à vin baïvre, il change, non. Vous comprenez? Non, sans pression et dans les limites des moyens de chacun. Songez ça. Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres. C'est dans les limites des moyens de chacun. Et puis finalement, question la collecte dans l'église réussit mieux lorsqu'elle n'est pas remise à plus tard. C'est-à-dire, lorsque vous faites là, vous planifiez, vous faites ça, vous faites parce que si vous ne faites pas le vrai, vous vous rendez compte que, comme la passé dans le monde, vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Vous passez dans l'autre bagaille alors que vous n'avez pas contribué à notre travail, bon Dieu. Elle réussit mieux lorsqu'elle n'est pas remise à plus tard, mais lorsqu'elle est aussi encouragée par les leaders. Même Jean-Louis Paul te dit, m'a voyé titre pour aider nous dans le processus-là. Donc, lorsqu'elle est encouragée par les leaders. Voilà quelques leçons, je pense que c'est quand même important pour nous. Pour nous apprendre à soi. Alors, la parole est à vous. Qu'en dites-vous?
Sou pa gen kesyon d'apremè ou di, ou mwen, ki sa ki retenu atensyon nan anseyman Paul Asoya? Ki sa ki retenu atensyon? Ki sa ki make l'esprit? Ki sa komante nan chat la? Ekri yon fraz. Di, point, tel point te interese. Tel point, mwen pense l'Eglise ta dwe met aksan sou sa. Ou kopren, fon reaksyon, e frè Julien, frè Jean-Marie, y ap la pou releye sa. Men an atadan, na pe pon pose avèk vokasyon, studio, broadcast, Frè Etienne, et puis n'a tourné pour interaction. Devant toi, tout est à nu et à découvert pour toi. Tu connais toute pensée, toute voix, même l'obscurité. Tu leur donnes un nom. Tu sais qui je suis et tu m'appelles par mon nom. Que ta parole soit ma raison. Que ta parole soit et pour tout temps.
Jodia. Jodia. Ou pas j'en changer. Et pour tout temps. Ou gagner même puissance là. Ou c'est mon Dieu à hier. Oh, oh yeah. Jodia. Ma manje etude la ebi mwen mwen kont, ok, ya, c'est vrai. Mais ça me l'a dit, c'est sûr qu'on lit 2 Corinthiens 8 ak 2 Corinthiens 9. Mais est-ce que te jan mwen sa yabdou la yo? Donc, m'encourage yo, remè étudier parole, bon Dieu. On dit, bon Dieu, merci de ce que le mette yon ministère qui pour fè ça ak nou, fè ça pour nous. Donc, non seulement participer dans l'étude là, mais retendez yo, utilisez yo dans l'étude d'église ou sous son leader, sous ses moniteurs, réutiliser matériel sa yo, ressources sa yo pour avancement royaume mon Dieu. M'ap salue tout zami qui branché nous. Gen pile là, gen moun ki pa kapa la. David Pierre lui finalement tourné yon figure emblématique pour étude sa sil. C'est l'el pa la, m'ap rappelo ça. Même pas même besoin rappelo que là parce que c'est un grand rendez-vous que nous gagnons avec lui. Pasteur Jose Pierre, bon Dieu béni, on Betty François, Marie-Ange Bounache, sœur Nadège Saint-Paulin, madame Mouin, sœur Caroline Jean, pasteur Gaillet, la famille, c'est pour bon Dieu béni. Donc ça c'est moun moi joine sous plateforme Insta Christio. Mais moi gagné Kelly Pierre Saint-Paulin, cousin qui toujours branché, c'est pour Seigneur béni on Kelly. Nous gagnons tout Rose Joseph qui d'ailleurs pose des questions sur Altagrace Boussico, sur Nadège Jean, c'est pour Seigneur béni nous. Sans pas compter moun kap tande nous sur YouTube et moun ki branché à travers l'autre plateforme yo et sur Radio Bible Info et Radio Fraternité FM. Que Seigneur béni nous en abondance. C'est moment par là pour poser des questions. Même j'en gagne deux moun qui gagnent en fait, moi elle passe avec Frère Julien pour le capable. Passer dans question yo sous gain question sur plateforme nan comme on connaît levé mais on et puis n'a plus ça qui online frère Julien nous content gagnon bon Dieu béni ou mute bon Dieu béni nous tout le monde et bienvenue moi dis nous bonsoir bonsoir tout le monde et nous content gagnon à ce en séance ça et sans plus tarder n'a passé à question yo première question c'est Rose Joseph qui pose question il dit est-ce que l'Église t'a dû prendre corde dans mes païens pour faire travail, bon Dieu? Je pense que Pasteur Yonel, c'est une question que tu as posée déjà, qui est posée encore, et que pendant ces instants, Pasteur Yonel t'a posé une question, elle va te répondre. Là, il y a assez de moments pour répondre à une question que tu as posée. Yeah, merci frère Julien. Well, m'invite quelques réactions l'autre monde sur ça. Frère Jean-Marie, vous avez l'idée? I call on you directly. So bon, pensez, est-ce que l'église t'a dû prendre cob dans mes païens pour faire travail, bon Dieu ya? Moi me pense que gain de gon nuance que me pense qui est important. L'église pas doué al chercher cob dans mes païens, mais me pense l'église t'a dû l'ouvrir si yon moun nan reconnaissance li ak bon Dieu a ça bon Dieu fait pour les disposer c'est l'église pour le contribuer. Moi pense que nous t'a doué ouvert ak ça. Certainement gain le nous pas doué prendre
mais gen l'un dwe pran. Ça dépend de qui est-ce qui bay la, nan qui intention le bay, pou qui ça le bay. Si moun nan se reconnaissance li ak bon Dieu qui fait le disposer bay, el vle bali dans l'église. Donc pou qui ça pou yo pata bay ouverture pou ta ka contribuer. Now, même si ou pata doue pran ou pata vle pran comme l'église, ou doit quand même orienter là un ministère qui pon l'église locale, qui font ministère qui plus large ou cap même partager ak moun nan. L'église, nous même comme l'église, nous gagnons, même l'église, nous supporter le ministère de l'église. Là. Mais nous ouvert l'autre organisation inter-église qui allait au-delà de ça, n'a fait comme l'église locale, n'a pas content pour nous faire contribution là à le joindre, sous permettre ça. Nan non nous, n'a bali nan non avec yon ministère. Donc, nous pensons que nous devons ouvrir, nous pas de fermer toute porte, parce que quand même, l'un comprend le rôle yon l'église kap joué dans la communauté, yon moun qui gen moyen kap vle supporton l'église, parce que le pas l'église seulement a fait activité pour citoyens qui pral dans ciel, mais parce que la communauté a, même moun qui pas même l'église, même moun ki pa kwen nan Jésus nécessairement, yo bénéficiaire de action que l'église a fait, donc moun sa ou ka ouvet ou yo partage ak l'église lan, avec toute sagesse et humilité gon jan pour nous capable prendre et orienter vers côté l'état de aller. Encore une fois, m'pa dire l'église doit prendre, mais cette ouverture doit exister parce que l'église dans un sens li son bien communautaire, dans le sens que la fait ministère holistique. Donc l'Église doit pas servir avec elle, mais l'orienter vers l'autre organisation qui a bénéficié un grand nombre. Bon, c'est comme ça, moi, t'as regardé Lionel. Yes, tout à fait d'accord avec vous. Pas vraiment rien gros bagage pour ajouter. Seulement, remettez accent sur un bagage aussi dit, gon nuance, parce qu'il faut qu'on, ça dépend de qui moun. Par exemple, ou ka entraver dans un cob. Mon a fait drogue, l'a fait des activités illicites par exemple, et puis l'a blanchi comme là, vous comprenez, font gens le passer là. Donc ça m'a donné sagesse à certains égards, mais j'en dis à pas qu'on obligé faire mes portes pour dire chrétien seulement doit contribuer. Mais nuance nous a fait dans étude là, c'est que texte là montre que l'attente c'est que tout ministère chrétien doit être financé par les chrétiens. C'est nuance là, mais frère Jean-Marie Jean dit là, si bien dit, nous pas fermé pour nous dire c'est chrétien seulement qui nous prend comme. Parce que l'église c'est une institution communautaire, même si en pile fois ne pas toujours vivre comme une institution communautaire, mais c'est ça nous d'adouer. L'église c'est seulement une institution communautaire, mais c'est une aspect une mission que l'Église gagne, c'est influencer la communauté. Oui, on t'a dit par rapport avec la journée aujourd'hui, l'Église par 4 murailles là encore. L'Église allait au-delà des 4 murailles avec l'apport de la technologie et que ça vient faire que des gens qui baillent anonymement. Alors, par contre, qui est-ce qui baille, qui est-ce qui pas baille? Et en chrétien qui baille, pour ça, tout le monde qui n'est pas chrétien qui baille. Parce que si on a allé sous ordinateur, il a allé sous page Insta Christi ou sous une page dans l'autre l'église ou dans l'autre organisation, là, il y a un bouton qui marque donné, il baille. Est-ce qu'il me connaît que ce sont chrétiens qui baillent ou est-ce que c'est un païen qui baille? Yes. So, là, je dis, il n'y a pas de dépendre de monde qui a fait l'église pour qu'on qu'est-ce qui baille, qu'est-ce qui pas baille. Bonne volonté, mon vini moun nan bay li bay parce que vraiment en fait anonymement pas qu'on est qui est-ce qui va bay. Super, merci frère Julie. N'a pas enchaîné avec deuxième question que nous gagnons sur Zoom là et en mise en contexte parce, par rapport avec l'évangile qu'a prêché Kounia, il plus pas prêcher sous faire peur pour bay au lieu pour bay dans la joie. J'en saute dit à dévotionnellement et tout l'autre bagaille. Et question à venir, il dit et les leaders qui veulent couper le sommeil des personnes qui ne donnent pas. Est-ce que ce n'est pas l'évangile alors?
Merci un pile pour question. Alors, so dit là, question ça, c'est comme si me tendais déjà. Est-ce que on pas veut dire un bagage que m'blier non, mais comme si me t'attendais un monde qui dit il y a quelques monde qui a demandé l'argent qui dit il a coupé sommeil. On bagage comme ça. C'est évident que ça c'est menace. Ça c'est menace et c'est entré dans cadre manipulation. Nous pas doué manipuler peuple bon Dieu ya. Nous pas doué manipuler moun. On pense que ça nous doit faire plutôt. C'est enseigner la parole. Enseigner la parole, aider ouais ça bon Dieu, mander pour faire et maintenant Saint-Esprit a travaillé dans yo pour pousser à l'action. Mais aussi mettre un système en place pour encourager yo à l'action. Tant qu'on se trouve dans l'étude à Soya, Paul dit m'a voyé titre. Il était que seulement dit au ramasser comme là par exemple, il dit ça dans 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, il dit peuple là nous gain pour me venir ramasser comme là quitter le caler pour nous rapidement. 1 Corinthiens 16 verset 1er. 1 Corinthiens 16 verset 1er dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai déjà ordonné aux églises de la Galatie. Donc, ce projet, plusieurs églises ont participé là-dedans. Verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Oups! Ouais, Paul répète le principe encore. Ce qu'il pourra. Ou pas imposer mon nom. Mais c'est ça le capable. Que chacun, alors, bien entendu, que chacun montre que pas de parasite. Je vais répéter Frère Jean-Marie, pas de parasite. Chaque monde nous combat au cabaye quand même. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Dans 2 Corinthiens, il dit selon ses moyens. Dans 1 Corinthiens 16, il dit selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Nous pas besoin de temps, c'est le vini pour nous faire. Mais dans 2 Corinthiens, il ajoute un bagage. Dans 2 Corinthiens 8, il dit, ma voix est titre. Va continuer, non? Ma voix est titre. Maintenant, s'il dit la voix est titre, gardez time frame, gardez dans qui temps. Dans 1 Corinthiens, il te seulement dit, ramasser l'argent, ma vine pour me ramasser, ma vine pour me prendre la main. Dans 2 Corinthiens, un an plus tard, dame nous, ouais, nuance là. Un an plus tard, dans 2 Corinthiens, il dit, m'a voye tit aider nous. Ou reprendre projet, m'a voye tit aider nous. Ça veut dire qui ça? Li enseigner moun yo pour konn ki ça pou yo faire pour l'enseigner dans 1 Corinthiens 16, mais qui ça pou yo faire gen 5 principes là dans 2 premiers versets ça. 1 Corinthiens 16, gen 5 principes qui gen rapport avec ramasser l'argent. Na wè ça on l'autre fois. Mais Paul t'a enseigné aux 5 principes ça dans 1 Corinthiens 15. Mais dans 2 Corinthiens 8, lorsque un an plus tard, le projet n'a pas abouti, Paul passe en l'autre phase. Il n'a pas manipulé, il n'a pas baillé pression, il dit, ma voye un monde aider nous, ma voye titre aider nous. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je pense que faut nous tirer l'application de principes bibliques. Au lieu de juste rester, nous inventons des bagailles. Bah, qu'on est, inventons offrande bab. Ça intrigue si on répète la pile parce que l'intrigue it's nonsensical, son non-sens. Au lieu d'inventer Babda et tout l'autre non gagné, gardez sa Bible a dit et puis fait sa Bible a suggéré. Non, Bible a parlé de dîmes et dîmes qui c'est en moyen pour te payer pasteur qui pas travaille et qui a fait service bon Dieu. Et que il y a des questions que qui allait dans ce sens ça que m'a posé pour auditeur nous qui dit selon Jean exposé à hier soir, est-ce que l'église capable imposer fidèle 10% dîme? Fait différence pour moi s'il vous plaît pasteur entre yon bagay qui biblique ak sa qui évangélique. Donc, c'est vérité vraie qui pose question et puis
c'est Altagrace, vous aussi qu'on aller dans le même sens là pour poser question, pour dire, est-ce que l'Église a imposé dîme? Est-ce qu'il a dîme pour nous aujourd'hui? Son gros question et son question controversée. Et je voulais un peu plus prudent, je n'ai jamais abordé. L'homme dit controversé, c'est-à-dire, Gemoun qui dit que la dîme comme principe est toujours de mise. Il y a l'autre qui dit li pa doué en application, c'est-à-dire pas parce que la Bible a fait obligé, ouais, n'obligé faire, et ça explique approche vérité vraie qui pose question, qui dit vous faites différence entre un bagage qui biblique et un bagage qui évangélique. Parce que c'est dans ce sens ça la parler, c'est pas parce que la Bible a qui fait que nous obligé appliquer. Donc maintenant, où en est-on? Et pas li m'a étudié à soir, si m'a étudié d'a pi à l'aise pour me voyer pied parce que dans le sens que m'a fait texte yo parler. Mais là m'a ba opinion la peu un peu nuancé mais encore une fois prendre pour s'allier pour opinion pour Jean Mouel pour l'instant. D'accord? Moi pensais que dîme c'est un principe qui biblique qui était établi pour forcer le peuple de Dieu rester dans le cadre pour contribuer. Même temps, mais dis-nous tout que Jean le fait dans la Bible, pas du tout ça n'a fait aujourd'hui. Si nous avons appliqué le principe dîme parce que dans la Bible, parce que le fait en Jean, pas un problème, mais pas ça n'a fait aujourd'hui. Parce que la dîme n'est pas seulement leur toucher l'argent pour porter 10% là-dedans. C'était la dîme de tous vos revenus. Faut te garder dans le jardin. Et c'est pas seulement en seule fois, il y a plusieurs types de dîmes que tu as besoin de porter. L'autre bagage que je t'ai attiré l'attention sur lui, c'est que généralement, nous gardons dîmes comme principe de la loi, tu établi, mais nous ne dînons pas sous la loi. OK? Dans le cas ça, les adventistes ont vraiment guérison de nous. Parce que là, ça nous fait, we pick and choose. Nous sélectionner qui ça n'apprend pour nous appliquer, qui ça ne pas prend pour nous appliquer, suivant que le marché n'a intérêt nous ou pas. Donc, c'est vraiment important pour nous réfléchir. Est-ce que la paix est la dîme vraie ou bien l'entre dans le cadre de stratégie? Si l'entre dans le cadre de stratégie, ça a interpellé dans l'autre domaine qu'on y a. L'autre bagay. Ou konnen gen moun ki pense yo paye dim nan, yo pa paye le vrai. Et gen l'autre même qui dit yo pa paye dim parce que c'est baye la loi et puis pa paye a tout ou n'est pas baye rien du tout. Pour moi, je pense dim nan ta doué un bon côté pour commencer. C'est-à-dire dim le dit 10%, 10%. Dans 100 dollars gagné, eh bien, ou dit tout, ou ap kembe 90, ou ap bay bon Dieu, ou ap peut-être 10 pour travail bon Dieu. C'est peut-être un bon côté pour nous commencer, mais pas là pour nous arrêter. D'ailleurs, tout ça nous gagne, bon Dieu, ben nous, les pour bon Dieu, lui encore. T'as coup David t'a dit, nous t'offrons que ce que nous avons reçu de toi. Tout ça nous gagne, c'est recevoir, nous recevoir de bon Dieu. Donc, c'est pour mon Dieu lié. Maintenant, dans qui sens, mal qui t'a parlé, frère Gary, m'a bien content d'en si c'est sur aspect ça surtout. Mais ça m'a nuance, m'a gardé là. M'a gardé nuance en pile monde qui rejette la dîme sous base que li pas évangélique, mais ou baye moins que ça. Ou bien ou baye du tout. Parce que là, li pa équilibré. Mais gen l'autre tout qui vient tout nos esclaves la dîme nan, c'est 10% pour le bail, c'est 10% pour le bail, 10% pour le bail et puis parfois le pa kakembel, li fait tête rentrer tête dans un contexte la loi on la loi que le pa kakembel que bon Dieu te dit on conscient que peuple n'était bail la loi ça pa kakembel me changer. Et puis nous même nous rentrer tête nous là-dedans nous pa kakembel tout. On pense peut-être que nous besoin faire enseignement aux autres gens.
pour nous dire peuple la vérité. OK? Bah, c'est ça m'a dit pour l'instant. Frère Gary levé mais frère Julien me connaissez vous capable la parole mais c'est pas trop moins. N'a tout paraphraser Jean dit bah là n'a pas frère Gary. Oui, me simplement t'a dit pasteur Lionel que mon connait sujet ça aborder l'église au point que pasteur dit que et pas rentrer le vous dire son bagage la loi parce que Abraham te font bel geste lorsque le fin prend l'eau avec etc. Monsieur va être pour ça. Mais à la fois tout le temps de l'autre monde qui dit que et est-ce que Abraham te continue by dim, est-ce que Abraham te compte by dim ou bien c'est seule fois ça le by dim. Bon, m'lage ça dans mon. Yeah, merci un peu, son belle idée. Abraham te by 10% de et pas de 10% la parler là et pas de 10% de ses revenus. D'un étudiant la Bible noter ça. C'est 10% de dépouille il était fait le talgou mais pour libérer l'oa, il ramasser bien mounio. Il pas de bien le travail redistribuer la pour année la travail. Non, il ramasser bien mounio puis il décider de ses butins. Voilà le mot butin, c'est-à-dire dépouille la guerre là, pile bien que le recevoir, il bail Melchisédek 10% là-dedans. OK. Nous pas gagne aucun en tout cas, on pas conscient que me gagne aucun lot biblical record, comment me dit ça biblical record? Rapport biblique qui montrait que la Abraham t'est continué by dim. L'autre bagarre t'a ramené nous, c'est pas parce qu'Abraham t'est fait qui fait nous obliger faire. Là non principe la Bible faut toujours regarder qu'est-ce qui est descriptif et ce qui est prescriptif. C'est pas parce que la Bible a dit un bagarre qui fait nous obliger faire. L'elle t'a dit là, il t'a dit à un groupe de monde ou bien à un monde spécifique, dans un contexte spécifique, il n'y a pas nécessairement dit c'est ça nous tous besoin faire. Vous voulez me donner un exemple sur Abraham dans tout? Le monde qui prend exemple Abraham pour supporter l'idée de faire même Jacques Abraham, non? Dans le monde, pour qu'ils ne soient pas si considérés tout. Mettez, et puis, vous comptez comment vous faites? Faites même Jacques Abraham. Prends Wash, taille Wash là, filez-le. Tel tout une sorte de silex. Ben, nous avons fait anesthésie, non? Pas prendre anesthésie, pas prendre instrument moderne, comme ça. C'est Abraham qui suivre par les problèmes. Cherchez Wash, et puis prend partie bon Dieu, mettez-le son l'autre Wash. Et puis Wash qui n'a pas se préparer au filet, couper le prépuce la veille jusqu'à ce bout de chair se tomber. Parce que c'est Abraham qui fait. Abraham qui est si li pa di pou nou tout nou circoncis tout. Donc par contre ça répond non frère Gary mais ya on pa vle parti sous base ça. Pour me dit que puisque Abraham te bay Melchisédek 10% nous même tout nous obligé bay li tout parce que nous c'est les enfants d'Abraham. Fonda pour ces réflexions plus loin. Si j'ai alors moi frère Jean-Marie semblait l'envie d'un bagage frère Julien m'pa vle quitter sous l'estomac. Pas gain le, c'est tout n'est pas tourné sur les gens qui m'ont dit ça. Okay. Mais si j'ai dit un tellement intéressant et il y intéresse, c'est Altagrace, le psychophe, qui m'a dit pour nous retourner sur lui. Il dit encourager mon bail sans contrainte. Et ou t'as si pour gain l'autre, parce que gain l'autre façon qu'à encourager mon bail. Parce que dim, sous dim, c'est 10% des salaires, des revenus, des. Tout ça gagne chaque mois pour le bail. Ça, c'est une forme de contrainte parce que vous taxez le 10%. Et que, non, encourager, non, de l'autre façon, vous pensez que, donc, encourager mon bail sans par contre ni mais qui quantité pour le bail. Si vous avez dit bail 10%, c'est comme, même Jean l'autre monde qui a dit, moun 100 dollars ou avancé, moun 1000 dollars ou moun ça, c'est à peu près même bagage là, on fait sur l'autre forme. Parce que ou dit faut qu'il baille 10% des revenus. Yeah, super frère Julien, m'pa vle ajouter trop bagay, mais m'vle seulement attirer attention moun yo tout l'autre côté de l'autre face de la pièce. L'autre côté a c'est que en pile fois si nous ta fon bon enquête sur tout moun ka critiqué dim yo tout. Ou a joué un pourcentage, ou ka joué un pourcentage très élevé de moun qui pa vle dimyo, qui pa baye du tout. Ou bien qui baye moins que ça. C'est ça, m'pata remen nou vive nan aspect hypocrisie sa tout. Pour nous dire, n'ap goumen kont dim,
c'est dim notre problème, c'est dim notre problème, c'est dim notre problème, et puis nous tout pas bail du tout. En d'autres termes, moun ki a bay dim yo, yo fait plus effort passer nous. Nous là seulement pour nous critiquer, mais sa Bible attend, sa bon Dieu attend, c'est pour nous contribuer, faire travail li avancer. Nous connaissons plusieurs exemples. Il y a des gens qui ont commencé à 10%, qui passent à 15%, qui passent à 20%, mais volontairement. Il y a des gens, nous lisons une histoire, un monde qui commence jusqu'à ce qu'il vienne au point, il dit 7%, lui-même, dans le capal, c'était 10% pour lui. 90% là, il y a dit c'est Colgate, oui. Colgate. Oh, voilà. Il y a 10% et puis il y a 90%, il y a 10% et puis il y a 90% là. Mais par contre, ça a commencé, nous, c'est graduellement la augmenté. Ça, je pense que c'est un bon exemple. Frère Julien, le arrivé, mais pas chère, forcé me dit deux bagailles. Premier bagaille, je suis content parce qu'on a phasé sur le fait qu'il y a un principe. Et d'ailleurs, depuis c'est Bible qui dit ça pour nous faire, et pas moi qui force. Bible a un principe. Principe, là, c'est fun by. Et il encourage pour bail un pourcentage parce que le Kimbo a une stratégie pour continuer by. Moi je m'encourage moun bay pour bay pourcentage dans le sens que e pa ou jos rete jodi a lido dou bay 5 dollars de lido bay 10 dollars mais c'est l'observer bon Dieu dans discipline mais c'est le pi bon ou tout font calcul depuis avant ou dit d'ailleurs tout qui pour bon Dieu d'ailleurs mais dans administration comme là et tout comme là pour bon Dieu si gon imposition pasteur da de faire à l'église et dit tout comme là c'est pour bon Dieu lié par contre faut administrer comme là gon parti qui d'abord bah bon Dieu gon parti pour bilou gon parti pour saving gon parti pour aider l'autre monde vous comprenez ça c'est premier bagarre la deuxième bagarre c'est yon l'homme tap tande yon débat qui t'a fait sous dim gen yon théologien qui pas croit dans dim qui pas croit dim de mise gen on qui croit dim de mise finalement yo pose une question honnête yo dit combien ou payer nèg qui croit dans dim nan bah 8% 9% mais qui croit que ou de bail dim jodi il va même rive 10% ni même mais qui pas croit dans dim nan li même nan 10.5 11% moi c'est ces modèles ça nous besoin l'autre ou pas croit là mais faut honnête tout et pas un échappatoire pour chercher on a way out pour pas payer pour pas pour bail comme dans l'église moi c'est nous ta doit me content j'en dis le m'a garder enseignement Jésus a bail Jean Jésus a intensifier les principes d'antan, me rend moins compte que nous avons de plus que 10%. Pendant que nous pas forcer nous, mais faut nous songer en principe. Un fon bay, le principe c'est que fon bay et tout le monde ka bay, so dit tout à l'heure. Qui peut plus peut moins. Moi même c'est ça, ça a déjà résumé toute bagaille. A fait comme sous pape chrétien pas bay là, moi même ça li étrange à l'enseignement de la Bible, li étrange à la vie chrétienne. Li étrange enseignement Jésus, li étrange enseignement apotio, tout moun net kabay et tout moun net doué bay. Malheureusement je dis pour moun bay, faut vous chercher un professionnel, c'est ça le fait seulement. Vin fait moun bay kob kay la, vin fait moun bay kob que le pas disposé bay là et de fait depuis c'est pas son fait ou presque pas joindre moun qui bay. Heureusement moi-même ou même qui croit dans fait différence, c'est l'autre monde qui dans entourage nous et que ne pas même connaît l'autre monde qui croit bon Jean l'évangile yo pas quitter ces comportements peuple là qui dicte théologie a dit peuple là mettre continuer c'est les manipuler li bay mon cher pape je ne manipulation parce que nous même c'est pas peuple là qui bonne théologie c'est bible qui bonne théologie. Yes, yes, bien dit, super. Good pasteur Jean-Marie. Est-ce qu'on dit vive pasteur Jean-Marie? Est-ce qu'on dit là? Ou tout est good, good, good. Oh, good, good. Bon Dieu, bien, non. Mais nous, après, nous vivons un moment côté pour nous médecin, mais nous avons Grégorian qui est sous Zoom ensemble avec nous qui l'a vu. Nous avons juste pris pour gagner 2 minutes après ça pour nous mettre fin. Bon Dieu, bien, non. Hey, pasteur Grégory. Moi, salut, non, non, Jésus. Avant ça, je nous suis à genoux. Nous ne pouvons pas approcher à genoux parce que nous avons samedi manqué nous. Mais c'est fort des activités quotidiennes parce que samedi, c'est jour où tu as vraiment dans moi. Bon, oui, j'ai la à 3 garçons dans ma déficit. Et ça a causé problème. Mais bref, vraiment, je vais vous écouter une parole qui est très fort. Je demande pour un pile libre d'église. Pour yo prendre manteau honnêteté yo pour yo mettre sous dos yo
Et en même temps, je connais que pas aussi facile parce que moi, je pas la voix là, moi, je face carré à l'église côté et bon, je m'en desservé que moi, je suis ouvrier là-dedans. Sur le domaine fait dîmes. Et si à te permettre que nous mettions une entaille nous, et pour te parler honnêtement, relativement, à la dîmes. Et bien content, et leader Jean-Marie fait une approche là. Je pense que parler par l'exemple, c'est beaucoup plus fort que ça ne va dire. Et avant de commencer pour chercher ça, madame, vous avez l'église là, vous tapez une entrée, et moi, je vais bouleverser la base de l'église là. Automatiquement, je commence à être de la famille. Automatiquement, madame est tombée enceinte. Madame, on va être écoute. Et moi, automatiquement, je prends l'autre enveloppe additionnelle de l'église. Pour nos petits garçons, je pas dans la vente. Je commence à faire versement pour lui, littéralement. Et ceci me fait pour tous les trois missionnaires. Et là, le moment arrivé que pour me faire parler sur le domaine de ça, je suis abondé dans le sens de ça. Et nous avons besoin de quitter Paul, bon Dieu, orienter nous et pour nous honnêtes à tête nous en tant que fidèles serviteurs que nous sommes. Si pas dit que nous aimons bon Dieu, nous dit tout nous-mêmes c'est pour bon Dieu et puis poche nous par là-dedans. Et nous cachons des grains de verset et nous dit que nous ne croyons pas dans la loi et nous cachons des grains de verset et c'est à l'une à faire cause du chemin. Nous dit que l'important que pour nous connaître que bail pour affaire bon Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barème là-dedans. Le Jésus-Christ dit de libérer nous, c'est toute emprise, toute bagaille qui s'en se mette yon dilemme sous nous, qui s'en se mette dans un barrage en quelque sorte. Texte a dit que chacun donne comme il a reçu. Et me dit, nous-mêmes qui n'est des amis de cap, dit que nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas mettre de bon côté nous. Mais seulement, ça que nous sentons capable de bon côté nous net, c'est parce que nous sentons un manque d'honnêteté de son affaire. Alors que si nous disons pas la donne, et comme quoi que fardeau a t'a de peser sous tête nous beaucoup plus pour nous verser dans l'œuvre de Dieu beaucoup plus, dans le niveau 10%. Parce que là, nous pouvons nous sortir en babarème 10%, c'est libre, nous libre. Mais si nous libre, nous devons aller au-delà. Nous ne pouvons pas expliquer que nous libre, et c'est rien à faire, c'est battre la fête. Nous devons trouver ça son non-sens. Et si je n'étais pas à la berger, moi, et bon, en rang ça, je ne devais pas à plus. À faire du mien, moi, personnellement, je ne dis pas quoi là-dedans. Mais cependant, cependant, on baille au-delà de sa dîme là, madame, on baille. Que ça fait m'gagner toute libéralité, ça. Et me dit très clair, toi, tu m'as fait mieux pas de travail. Quand on jeune, montre ça chaque dimanche à contribuer dans l'œuvre de Dieu. Parce que si m'de quoi j'en dîme pour yo, yo t'a doué tant de l'air ou même bien faire activité. Après des sens, et chaque dimanche, madame, on fait deux ou trois mois, elle va le travail. Chaque dimanche, il continuellement contribue. Mais si c'est non dîme, ça a été rentré, mais quand on rentre, qui fait la paix, c'est ça. Donc, c'est pour me dire que l'idée de besoin est enseigner le peuple, ça pour enseigner. Et en même temps, tout le monde comprend, je me dis que ce chat-là, c'est que y a tellement de deals à des fidèles qui tellement chichent le haut niveau, y a censé faire une pression pour faire marcher. Et on vient pour suivre l'église qui t'a fait un enseignement, monsieur, honnêtement, à Jean, nous sommes détaillés là, ou après l'église à rentrer moins que l'église qui a cherché un professionnel dans la matière. Qui pourra aller l'argent. Et qu'on voit fidèle en soi, yo mandé ça. Le peuple crée les dictateurs. Et qu'on voit ces leaders même qui, à part leader, non, le peuple même qui permet que leader yo n'en manque d'honnêteté en tout. Par un c'est littéralement sa voix. Comme nous dit, nous devons avancer sur lui, même si nous devons passer ce mot ça, parce que c'est sûr, c'est un gars qui a parlé dans le jour, dans le débat. Mais cependant, nous avons la majorité, les fidèles de l'église comme ça, au défaut. Seulement, qui te yon souci de négligence à Caparéon qui fait que après aller corroder. Nous connaissons bien, nous passons la loi, nous parlons rien qui arrive à la loi. Les Bible dit nous, libre là, c'est contribuer libéralement. Et nous pas même besoin de la satire nous-mêmes. Il faut qu'on ait fait un bail pour abîmer. Nous pas même besoin de la petite bébé, on dit bon ça. Offrant, moi, je n'ai pas besoin de professionnel dans la matière pour venir faire mon bail comme. Je n'ai pas besoin d'un monde qui a passé un clé dans le cours, qu'on dit. Et moi aussi, je te dis pour mon médecin à pour ton problème, pour faire bon maille, pour ton problème. Depuis mon moment, au frère, a ramassé que tout membre de l'église, en le seul homme, contribue dans le. Ça t'a droit, en quelque sorte. Mais c'est très dommage. Le peuple, il voulait au marché par des secousses, feeling, les vivants, les fous, mais en poche, mon maille, ça avance. Et c'est pour ça, le peuple, il y a un meilleur, ça. Un pifo leader qui, entre guillemets, pas sérieux, il y a un leader, c'est ça, me devait dire, monsieur.
Bakyo to mou mèsyo, esanjil lider Julien, ou te bam ti chasla, e lider Yodel, et tout lot yo, spesyalman lider Gaëjan. Gaëjan de fon poti pale bel lanjou yo, m salu yo fèmi. Que bon Dieu bénisse, monsieur. C'est nous sommes de passer. En attendant, je vous bénisse. Merci, merci Frère Grégory, merci à tout le monde. Et sujet à Jean Dia, son sujet qui a une grande importance et que nous sommes sous commentaires. Porté en pile les commentaires que Jean que nous dit à Pasteur ou bien travail sous Dimna. Et que nous avons attendu avec peut-être avec un enthousiasme que vous tournez à que vous venez avoir qu'on étudie sous sujet ça. Et Pasteur Jean-Marie, nous avons demandé que vous capable ces derniers mois et puis Pasteur Onel a prié pour nous. Bon, et je pense que le thème pour nous ensemble, nous disons merci parce que vous interagissez avec nous. Sans vous-même, a bien étude, mais n'est pas belle, Jean le bel là. N'est pas goût, Jean le goût. Nous avons vraiment souhaité que vous preniez rendez-vous pour avec nous chaque samedi et invitez des amis, des leaders, pour vous avec nous et pour nous interagir ensemble. Un avantage ou gain dans InstaChristi, c'est que pendant que nous faisons étudier la parole de Dieu pour nous enseigner bien, mais nous croyons nous apprendre de monde. Et de fait, nous apprenons de monde. Donc, l'on interagit avec nous, ça fait nous du bien. Tout le monde qui est branché nous à travers Facebook, YouTube, radio, eh bien, nous avons croisé samedi prochain, pas oublier, à le site Instant Christi Ministry. Hein? Pendant que nous parlons de bail, nous sommes contents que vous faites des gestes assez, vous faites des largesses avec Instant Christi. Allez sur instantchristi.org, il y a possibilité pour faire des dons. Bayon don, peut-être bayon don pour toute année. Dis-moi si vous contribuez pour travailler, ça capable de continuer. Gen pile défense dépense cap fait pas quitter ces monde cap dépenser pour tandis que nous bon principe tout monde net kabay tout monde pas kabay même quand c'était mais tout monde net capable bay donc n'a content sou fait ça et nous remercier zami qui fait des gestes pour ministère ça continuer kembe c'est pour bon Dieu capable bénir nous famille Alcius merci en pile parce que nous quitter bon Dieu utiliser nous parce que Lionel en particulier qui c'est bouche famille hein, qui pote étude ça pour nous. C'est pour Seigneur à continuer à bénir. Vocation, podcast studio, Seigneur à bénir. Pasteur Lionel, c'est au cap dit dernier mois et prier pour nous capable mettre fin. Tout le monde passe un bon dimanche, passe une bonne semaine et on a croisé samedi prochain pour une autre étude de ce genre. Merci en pile, frère Jean-Marie. Merci tout le monde qui branche nous. On me dit nous que samedi, si Dieu le veut, on a continué le sujet. Donc, à remarquer, cette deuxième séance, nous avons sous sujet. Théologie de la contribution financière, c'est deuxième séance, mais nous pouvons finir. Nous là pour nous tourner sur le même sujet à samedi, si Dieu le veut, pour nous garder qui ça nous a apprendre davantage dans la parole de bon Dieu. L'autre bagage que je voulais dire, c'est que presque, chaque samedi, mais régulièrement, parlez-nous de Fondation Matotens, qui a fait un travail mais en pile dans la zone Badelma. Côté a pe des moun qui gen difficulté qui pa gon moyen pour yo pon petit déjeuner le matin si fondation pa intervenu. Bon on ti quelques petits détails qui important. Yo gon budget mensuel, chaque mois yo dépensé ça dé bien 86 075 goud par mois. On dit environ 90 000 goud. Pour yo bay moun yo un petit déjeuner. Mais yo genye projet que yo genye sous pied là pour continuer ministère d'après men nous supporter, d'après men nous participer que moun nan États-Unis ou bien au Canada en Haïti, quel que soit côté yo ka participer. On moun ki en Haïti ou ka bay 50 goud, mon cher, 50 goud ça la fè gros bagay parce que trois autres moun ka bay 50 goud metavel pour que yon moun ki défavorisé ki pa genye même possibilité yo capable jwenn. Nou sou ça nous li nan texte là. Moun ki te ramasse en pilio avec moun ki te ramasse tikrasio. Alors moun ki te ramasse en pilio pa gen de trop, moun ki te ramasse tikrasio pa manke. Parce que tu as gagné un partage ça qui fait. Nous avons participé
Fondation Matotans pense que si il y a 35 moun qui dit y a bal $20 par mois, ça aide yo en pile. Si il y a 35 moun qui dit y a bal $20 par mois pour aider yo fait travail ça. Allez sous site yo, c'est fomohaiti.org. fomohaiti.org. FOMO c'est Fondation Matotans. FOMO FOMO haiti.org. Ou ap ka aide yo, y ap capable supporter budget yo nan sans ça. Konn yon nan bagay ki intrigue m, c'est que moun sa yo kon président organisation en personne. Moun sa yo kap aide lòt moun yo, c'est yo kankò kap goumè pou jwenn resous la nan poche pa yo aide pou yo fèl. Donc ou tap soulagé mi travay la, t'ap permet yo augmenter tout si ou te participé. Donc s'il vous plaît, essayez faire ça. Allez sur site yo FOMO www.fomo.haiti.org. Allez, ça me dit bien. Est-ce que c'est FOMO Haiti ou FOMO.haiti? Attends, on va regarder. C'est FOMO Haiti. FOMO.haiti.org. Ou ka si nous kabay téléphone nan en ligne. Yes, ou ka rele nan téléphone ça tout. 613 613 6904. Abredi l'encore, 613-613-6904, ou ap aide Fondation Matotans, fait une différence dans la vie moun qui pas tap gagne moyen pour faire autrement. Seigneur Benin, à nous prier. Merci Seigneur pour l'étude de ta parole. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble à apprendre à te connaître pour mieux te servir. Puisse ta parole nous éclairer et nous pousser à l'action, afin que nous ressemblions davantage à ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous prions, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Merci tout le monde. À bientôt. Bye bye, ciao. Bye bye, Frère Julien. Bye bye, Pasteur Yonel. Bonjour, non pas c'est Deborah Lesieux, m'a suivi étude Insta Christi. Moi invite au fait même j'avais et au pas pour Insta Christi, Insta Christi.